Allez, c'est bon. Épée de justice, ouais. Bon, on est potes, hein, du coup. Hein. Super, merci, les paladins de tir, du coup. Avec la protection de tir, incroyable. Par contre, c'est une épée à deux mains, je sais pas qui l'a... Bah, Lazel. Bah, je l'envoie à Lazel, écoute. Hein. Let's go. Bon, voilà, potes, voilà, hein, du coup. Voilà, voilà, voilà. Et ben, on est potes, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, super, hein, bah, bonne journée à vous, du coup. La bien bonne journée. Voilà quoi. La bien bonne journée. Ah mais t'as loot déjà. Putain le mec il a tout loot JPP. JPP le mec a absolument tout loot. Pas tout mais... Tout loot, tout loot, tout loot, tout loot, tout. J'arrête. Waouh. Ouais ouais. Ouais ouais. J'ai fait cette... Du coup bah super. Où est-ce que t'es? T'es par là. Dedans. Ah, t'es dedans. Je lisais des livres. Toi, tu lis des livres? Alors, c'est fou. Vite le préjugé. Ce qu'on va faire, les gnolls. On pourrait, hein, franchement. Bah allez. On pourrait tenter. Alors attends, t'es où? Ah, t'es là. Suis-moi. Je te suis. Donc là, on se balade, Hétéroclite. Ah bah oui. Hein. Bonjour. Oh putain, tu te rends compte que pour l'instant on a Dead Gale et Karlak quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est fou quoi. C'est fou. Je save, je sais pas pourquoi. C'est une sorte de réflexe, je save. Par où on passe? Bah par là. Ça remonte. Comment ça on monte? Ça remonte. Ah on monte par... Oui on peut monter par là, ok. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Attendez, il y a de la balsamine. Il y a de la balsamine. Qui est vachement bon, qui gagne. Qui est hyper bon. Ah bah j'allais me mettre en fufu, mais bah du coup non. Ah bah j'ai une discrétion, autant te dire que... Putain de merde. Va falloir la jouer un peu tactique par contre sur celle-là. Je vais pas te mentir que ça va être compliqué. Après ils sont niveau 4, il y a juste le chef qui est niveau 5 je crois. Ouais, il y a le chef. Et le chef il tabasse chef, un peu hein. Ouais, il a 110 PV le niveau le chef hein. Voilà. Hop, dans la cuisse. Il a 110 PV le chef hein. Fureur bouillonnante. Je sais pas qui a fait ça mais c'est lui. Lui ou elle d'ailleurs. Ouf. Et donc est-ce qu'ils ont un sexe alors les gnolls? Ils ont pas besoin de se reproduire normalement. Bah non ouais, donc c'est, ils sont ni mâles ni femelles, ils existent quoi. Ouais, ouais ouais. Fabuleux. Il se passe quoi là? Bah ils parlent. Ils font des choses. Bonjour. Ça va au cac. Time for a new... Non je me suis pas caché. Est-ce que j'essaie de taper... Il est loin le chef un peu hein. Ouais et il a pris un coup dans la cuisse donc il va marcher moins vite. D'accord, est-ce qu'on essaye de le roncher gnoll? Ouais, on ouais, essaie ouais. De le descendre tout de suite. Va falloir qu'on focus un peu. Ok. Je vais m'approcher et essayer d'aller au cac un peu. J'ai raté, j'ai envie de... Alors j'espère que eux ils vont pas tous venir. Je sais pas. Si. Si. Bah si, c'est pour ça que le combat il est un peu, tendu. Il est tendu du slip le combat parce qu'il est, les mecs sont un peu. Alors ce qui serait cool c'est qu'on arrive à leur balancer un truc qui est caché là-haut là. Genre je sais pas si on a une grenade ou un truc. Là, là, ils vont être groupés. Alors, du coup, ah bah déjà je peux faire ça parce que j'ai mon épée de tir. Moi je peux jeter aucun sort. Bonus. Hop. Pourquoi je peux jeter aucun sort? Je comprends pas. C'est trop bizarre. Pourquoi j'ai pas d'action? Je comprends pas. Pas fait un truc? Bah je crois pas. Est-ce que j'ai... What? Ah, est-ce que j'ai pas essayé de me... En fait au moment où j'ai cliqué sur le bouton se cacher, t'as déclenché le combat je crois. Y'a un délire ah, un peu comme ça je crois. Ah, ça t'a pris comme ton action? Ouais je crois, y'a un ah truc non, un peu comme ça. Mais nul. Nul. Hop là, j'ai mis une petite arme là-bas, là, hein, tranquille. Ouais, ouais, ouais.
ça peut... Est-ce que du coup ça fait qu'ils ont... ils sont menacés. Est-ce qu'il y a ça du coup? Menacés, je sais pas, c'est une bonne question. Ils sont pas menacés. Je crois que du coup, tu sais, quand t'as 10 temps, c'est chiant. Ouais. T'as de menaces. Bah, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire, mais on va voir. Mais je crois que ça marche pas avec les armes spirituelles. Alors qu'elle est très menaçante, mon arme spirituelle. Elle est très menaçante. Ouais, putain, ça va vite, ces merdes. Ah, c'est des yens, hein. Ça court un peu, quoi. Ok. Vas-y, même mon arme spirituelle. Ah, si, toi, là, il a menacé. Elle fait plus de dégâts que moi, hein, si je puis me permettre. Ah, si, si, ça marche, menace. Alors. Est-ce que. Mec, il ronronne dans son micro. Ah ouais, je fais du. Comment on appelle ça? Du. D'ASMR? Non, mais c'est un nom. Tu rotes dans le micro? Non, ça s'appelle du vocal fry ou je sais pas quoi là, tu sais. J'ai pas compris, mais. Oh, hop. Il vient de se passer quoi? T'as fait quoi? Bah, petite bombe. J'avais une bombe. La bombe! Il a lancé une bombe. Attends, j'ai concentration sur quoi? Ah bah non, mais j'ai déjà la marque. Attends, j'ai la marque du chasseur sur qui? Bah, je sais pas. Bah. Aucune idée. Ah, mais sur personne. Sur absolument personne. Ah oh, putain, il a plus qu'un tour de blesser à la cuisse par contre. Hein. Ouais, bah on va essayer de. Je vais groupir avec vous, hein. Qu'il soit obligé à foncer là. Lui déjà il a menacé. Ah bah il a pu menacer du coup. Il est pas trop con. Ah, trop nul. Faudrait qu'on arrive à le terminer au moins le ronchère devant là. Que les Zelda puissent avancer. Voilà, ah. Je suis invisible. Est-ce qu'on avance tous sur. Ouais, je pense cela que. Plutôt que le boss. Ouais. Parce que sinon on va se faire un peu sniper par les chasseurs là. Je suis un peu d'accord. Hop. Ouais, y'a un croc et trois chasseurs. Ouais, faut qu'on avance dessus et du coup le boss il arrivera plus tard comme ça. Aïe! Ah, non, concentration interrompue. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut les taper quoi du coup. Ouais. Ah oui. Chiant. Ah non, nul. Bon, est-ce qu'on tape lui? Oui, bah du coup oui. Du coup. Ok. Ouais, bah cool. Mon arme elle s'en bat les reins, hein, vous savez. Hein. Je m'en fous, moi mon bac j'ai déjà, hein. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors. Ah mais t'es dedans. Non, là t'es pas dedans. Vas-y. Fais ton truc. Oh pardon. Ah bah si j'étais. Oh, si. Je suis absolument navré. Vraiment, je pensais que t'étais pas dedans. Et Astarion aussi. Ouais. Je suis désolé, putain. Ah putain, je suis trop nul. Excuse-moi. Non, voilà, pardon, désolé. Non mais désolé, hein, du coup. Tu m'en veux pas trop quoi. Ricanement bestial à la fin. Ah bah il a bugué du cul. Et bah tant mieux. Hop. Ah non, je voulais la taper. Elle fait des petites baffes hein ma. Ouais quand même, ça touche. Non mais spirituel quand même hein. Mine de rien. Ah non, il arrive. Ou la fureur bouillonnante, on va prendre cher, on va prendre très très cher. Ah merde, il attaque à distance aussi. Ah merde. T'inquiète. Ça va aller. Ça va bien se passer cette histoire. Vas-y. Oh, joli. Ah bah j'ai la marque du chasseur et j'ai lâché une flèche pour lui en plus. Okay. GG. Bah action bonus, est-ce que... On prend une petite popo. Oula, quelqu'un a lâché la fureur. Ouais. Ah ouais. D'accord, ouais. Du coup, d'accord. Ouais, bah du coup, le problème de fureur, c'est que, ouais, voilà.
Là, ils vont piquer. Ouais, bah ouais. Je sais pas si on a le niveau. Ils sont plus que nous. Parce que les deux connards là-bas, ils nous aident pas en fait. Ils... Bah non. Ils sont en mode lol. Ouais, non, d'accord. Ah putain, concentration interrompue. Ouais. Ouais, non, on, à mon avis, on ne gagnera pas le combat. Tu penses ? Ouais. Attends. Bah, surtout si. Ouais. Voilà. Faudra qu'on arrive à tomber celui au cac au moins. Comme ça, derrière, on aura des attaques d'oppo sur au moins les chasseurs. Ceux-là, ils ont fureur enragée et du coup, vraiment, ils vont nous mettre 3 flèches à chaque tour. Ouais, c'est réel, ça, par contre. Non, mais on va. Mais ils l'ont à chaque fois ? Ah oui, ils l'ont tout le temps, ouais, d'accord, ils l'ont tout le temps. Bah, faut les tuer. Oui. Voilà. On n'a pas trop le choix, du coup. Alors. On va aller. Ouais. T'as pas la distance pour lui ? Si. Attends. Est-ce que j'ai quasiment la distance ? Je vais voir, hein, écoute. Hein. Ah putain, je suis à ça. Premier degré, je suis à ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est fou, quoi. Putain de merde. Il est à côté, quoi. C'est extrêmement frustrant, je tiens à le dire. Oh, il va arriver au cac, lui. Ah, il a glissé. Oh, il a glissé. Il a glissé, le con. Il a glissé. Oh, il a glissé. Oh, le nul. Oh, il a glissé. Let's go. Vas-y. Bah, attends. Faut que je remette ma marque du chasseur sur lui, du coup. Hop. Vas-y. Est-ce que je peux faire ça ? Oh ! T'as fait quoi ? Flèche d'Ilmater ? Bah, ça fait des dégâts nécrotiques et ça l'empêche de récupérer de la vie. Oh, nice ! Ok. Cool. Putain. GG. Là, on va prendre cher. Voilà. Oh, mais non ! Mais quoi ? Ouais. Mais ils ont ça combien de fois en fait ? Bah, ils ont 3 attaques par tour. Là maintenant, tout de suite ? Bah, maintenant, oui. Mais à chaque tour ? Oui. J'ai envie de dead. C'est pour ça que je dis que ça va être chaud. J'ai envie de dead. Et moi, la dead, voilà quoi. Ah putain, moi j'ai pas compris que c'était à tous les tours en fait. Bon, là, il y a mes 2 persos qui sont au sol. Bon, donc amuse-toi bien hein, du coup. Et j'ai pas d'action bonus. Ok. Ouais. Et tu n'as pas d'action bonus, effectivement, c'est super. Alors si, là, du coup, je viens de le tuer, donc j'ai une action bonus. Ah. Donc, je peux... Second souffle. Boire une... Ouais. Non, je peux second souffle, ça fera plus qu'une potion. Ouais, ok. Vas-y. Je vais faire second souffle et... Ah, je peux pas venir au cac. T'es chier. J'aurais pu leur faire un petit sort en plus, là. Petit fracassement, là, je pense que ça leur aurait fait mal. Ouais, clairement. Ah putain, il y a la hyène. Ah, t'arrives à terminer la hyène. Et derrière. Oui. Oui. Je peux pas dire, mais mon épée, vraiment, elle carry hein, depuis tout à l'heure. Elle est là, elle carry quoi. Elle est voilà, là, comme elle ça, il a menacé, c'est bien. Ouais. C'est bien. Oh non, il se relève. Ouais. Oh non. Ah, oh, il fonce. C'est bon, il doit faire foncer. Oh là, par contre, il vient au cac. Oui. Il a pas changé d'arme. Il a pas changé d'arme. Ah, t'es nul, t'as pas changé d'arme, t'es nul. Alors, faut que je vous... Est-ce que je vous balance une potion, du coup ? Tu peux, on est vraiment à côté. Ça peut se faire. Ça peut être une strat. Faut que je save avant ou pas ? Tu me dis, hein. Ouais, des fois que ça... Parce que des fois, le jeu, ça fade, Oui, t'inquiète. Histoire de pas gâcher de potion. Voilà. Bon, nickel. Alors là, mon pote, incroyable. Et sur l'action bonus, je peux lui faire botte secrète.
Et raté. J'ai raté. Ah, mais. 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 Oh là là, le suspense. Il a pas d'attaque de pouf. C'est vrai qu'il a. Astuce chez vous, bien sûr. Parce que. Il est à l'arc. Donc je me casse. Là, on va prendre Pierre. Oh, mais stop. Mais oui, mais ils ont ça à chaque fois. Mais j'ai envie dead. Mais j'ai envie de dead en fait. Ah, mais c'est un enfer. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait prendre cher. Oh, mais j'ai envie de crever. Time to move. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est un peu. Putain, j'ai pas bah, de. Bah, t'en as un qui a 15 HP, l'autre a 16 HP. Ouais, ouais, non, non, je suis en train de voir. Pourquoi t'as plus d'action? Ah, mais j'ai pas d'action, j'ai pas d'action. Et non. Je n'ai pas d'action, effectivement. Bien sûr qu'il va me tirer dessus. Ah non. Ouais. Pff, oh mais non. J'aurais pu leur faire un super sort. J'ai envie de dead. Oh là là, mais nul. Ledzel, tu vas venir là. Et tu vas me faire une fissure. Oh là là, je l'ai fini. Je t'ai aidé, je l'ai fini l'autre. Hop là. Bah, je vais redescendre comme ça. Comme ça, je vais aider à taper l'autre. Ça. Hop là! Let's go! Ah, attendez. Comme ça, il aura des avantages sur ses attaques en plus. Super! Alors, par contre, il y a lui. Oh! Lui, on va prendre tellement cher. Aïe! Allez, rip! Hein. Il a piraté. Ah, par contre. Ah, c'est bon, il a plus sa frénésie du cul là. Alors, par attends. Contre, il est passé au cac. Il est. Il est passé je au répète, cac. Je répète, il alors, est passé au cac, mesdames et messieurs. Tu te relèves? Bah si tu me relèves, je peux faire un sort, je peux tenter des trucs, c'est toi qui vois. Te relèves, et sur une action bonus... Je peux soigner des gens également. Je peux aller me faire foutre globalement. Du coup... Ou prendre une potion, je vais prendre une potion. Je prends une attaque d'oppo si je m'écarte, bien entendu. Bah on va rester là. Du coup, hein Ranger cac. Elle Ranger au cac. Moi je viens au cac, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de te dire. Les petites dagues. Allez, le petit 17. Le petit 17 c'est qui c'est fait bien, plaisir. On va tenter un deuxième truc. Oh, oh oui. Le petit crit. Bon par contre je vais prendre méga cher quand il va ouais, se retourner. S'il se retourne sur il toi. Il va se retourner va me faire salut. Tu peux pas le mordre? T'as pas encore. Encore. Bah non parce qu'on n'est pas censé savoir encore dans l'histoire qu'il est. Ah, il n'y a pas eu encore le reveal, il a pas fait son coming out de vampire, encore une fois. Out. Donc on sait pas encore. Ah, là, on là, dit, sans doute, là on dit juste que c'est un mec un peu très pâle qui a l'air un peu chelou, mais oh. Voilà. Ah bah tu vas voir que je vais te faire une Simba mon pote. Oh non. Non! Il fait des flèches à 10 et à 15. On est tellement dans la merde. On est dans la merde à un niveau absolument stratosphérique, les enfants. Il m'a karma. J'ai dit, bah tu vas voir que je vais être Simba. Oh là 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 là. Oui, j'y connais rien, j'aime pas Disney. On s'en fout! Je sais même pas quoi faire, pour être très honnête avec bah, toi. Bah, fini, seigneur machin, ou relève Astarion. En vrai, t'as un HP, ça tente. J'ai pas une d'action, attaque. J'ai pas d'action, frère. T'as pas d'action? Est-ce que je peux jeter une bah, potion? Bah, action bonus, non, c'est une action. Oh, bah, je peux rien faire en fait. Bah, prends une potion. Tu veux une grosse potion? Il m'en reste une. Non, mais en vrai, je sais pas quoi faire en fait là. Que là, ils vont me tirer dessus les deux là. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas du tout. Bon, je bois une potion bah, et puis. Prends une potion, hein, vraiment. Puis c'est tout ce que je peux faire. Bon, allez, la l'arme magique, elle va carry. Oh non, mais non. Elle a raté. Dommage. Alors, rapproche-la pour qu'au moins elle fasse une menace. Ouais, attends. Là. Ouais. Là, il est Là, il est menacé, ouais. Ouais, là, il est menacé, ok. Ok. On peut te déplacer entre les deux. J'essaye, encore. Attends. Là. Comme ça. Ouais, nickel. Ok, bah, comme très ça, ils ont tous les deux menacés. Ok, super. Alors. Aïe.
vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Attends. Il mange des gens pour se régène, il mange des gens pour se régène. Eh oui, c'est pour ça que j'ai fait le putain de truc d'île ta mère. Oui, oui, il serait. Oui, oui. Je suis paralysé. Oh non, il est mort, bon, mort, Astérion. Par contre, je suis paralysé. J'ai zéro action, par contre, je comprends pas pourquoi. Il est revenu au cac. Il est pas revenu au cac. Il est pas revenu pourquoi au cac. Pourquoi j'ai zéro action? Parce que je suis. Je comprends pas. T'as quoi comme état? Bah, j'ai zéro action, en fait. Alors que j'aurais dû avoir une action bah. Là. Mais c'est pas ton tour, peut-être. Ah mais c'est pas mon tour, je suis con. Excuse-moi. J'ai cru que c'était mon tour. J'étais là, mais wesh. Si je fais une flèche qui fait des trucs, à mon avis, je te tue. Pff, ouais. Il faut lui faire 28 dégâts. Oh, c'est hardcore là. En vrai, là, il a que 14, ça se fait. Ça se fait clairement là. J'essaye de m'éloigner et de me mettre en hauteur, bien entendu. Oh, tu résistes, c'est beau, putain. Ouais, mais n'empêche, peut-être je serais mort sans ça. Oh non, je suis morte, je suis morte. Ils font des flashs à 15, j'en peux plus. Ouais, 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 y'a plus que moi. 8 HP et un rêve. Oh la vache. Oh, j'ai fait 11, il lui reste 3 PV, j'ai envie de dead. Putain. En vrai, ça se passait pas si mal, juste... il y a un moment, ça. Quand il a poussé la Hetzel, l'autre, il a. Ouais. Je pense que ça a été le point de non-retour. Bah oui, parce que la Hetzel, en vrai, elle a de la CR. Bon bah voilà. Bah, c'est parti. Bon bah rip. Ah non, j'ai cliqué. J'aurais pas dû cliquer. T'as cliqué sur quoi? Menu principal. Je sais pas, j'ai... ouais, à mon avis. Ah mais. Ouais, c'est pas grave. Fais. Alors est-ce que je recharge. Ouais, ouais. Charge. Le milieu En vrai, le combat il peut passer. Je pense qu'il peut passer en vrai. Moi je pense le qu'il combat, peut passer. Le combat il peut passer. Après, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse le tour de la caverne pour arriver avec les connards? Il y a un piège au niveau de la caverne. Ah putain, il y a des pièges. Il y a des pièges. C'est vrai qu'il y a des pièges, il y a une boulette. Après, se battre non. Avec les connards, ça peut être une bonne idée, hein, en fait, je pense. Oui. Mais là, j'ai chargé au milieu du combat, par contre. Attends, bah j'arrive. Je t'attends. Multijoueur. Il faut que j'aille me chercher à boire. Attendez. Va donc te charger à boire. J'arrive. Ah, on n'est pas réussi à rejoindre, le chargement n'est pas terminé. Comment ça? Ah, parce que... Ok. J'attends. Ah mais non, mais attends, on a chargé... Ah non, mais non, j'ai pas chargé au bon moment. Non. Mais oui, mais fais hop que je rejoigne la partie au moins. Non, mais j'ai pas du tout chargé au bon moment là en fait. Ah oui. Pas du Attendez, c'est pas là que je voulais. Attends, peut-être attends que j'ai fini de charger parce que à mon avis ça va me faire bugger. Ok. C'est vrai que si on se bat avec les... En fait, si on les force à se battre, on a un avantage en fait. C'est un peu le truc. On a un peu un avantage. Alors. Donc, je sais pas. Ça peut être une strat. Ça peut complètement être une strat. Attends, on peut reprendre là encore. Non? Tu crois? Bah là c'est le moment où je vous mets la potion. C'est vrai. Vas-y. Allez, ça se tente. Mais t'es pas encore trop dans la merde à ce moment-là. T'es pas encore tombé. Voilà. Hetzel, elle avait pas encore fait de la merde. En tombant. Et là tu peux le taper. Non mais je prends une petite potion parce que en vrai je le tape et je lui fais un des 4 de dégâts si je le touche. Donc vaut mieux que je me heal. Et tu l'avais pas tapé la dernière fois? Si. Mais un des 4 de dégâts. Genre Ah sérieux, il est pas tombé. Il est pas remort. Il est pas remort. Il est pas remort. Alors, est-ce que vaut mieux toucher le boss? Ou... Les chasseurs en vrai ils font très mal parce qu'ils ont 3 attaques. Hein. Oui. Donc vaut mieux tuer un chasseur. Vaut mieux tuer les chasseurs. Genre lui ouais. Il a 15 HP. Bah en vrai, est-ce que j'irais pas au cac avec toi oui. En fait? Bah en fait, si, parce que ça fait qu'au moins ils ont menacé les chasseurs. Tu vois? J'y vais au cac en fait. On va au cac les enfants. Lui il est déjà entamé. Voilà. Je lui fais 3, écoutez. Et puis au moins, s'il essaye de bouger, il se prend une attaque d'oppo. Voilà. Voilà. Et je lui ai fait 14. C'est ça la strat. Oh non, ouais. Putain, ouais, par contre, ça c'est chiant. Il a essayé, hein. Il a essayé, il a clairement essayé. J'essaie de t'amener lui. Vas-y, je te laisse faire. Ah, dommage. J'essaye. Je lui ai fait 8, il lui reste. Terminer en vrai, peut-être. Vas-y. Voilà. C'est bon. Ok, il est et je vais sur les autres. De manière permanente.
Est-ce que moi, du coup, j'y vais? Là, t'en menaces qu'un. Ouais. En vrai, si je vais là... Faut pas qu'il te pousse, hein, par contre. Hein. Mais il va pouvoir me pousser, non? Bah, je sais pas. Mais bon, c'est... on s'en fout, on voit, hein. Tu vas prendre tellement cher. Aïe. Il m'a paralysé. Ouais, il t'a paralysé. C'est dommage, je suis... Ouais, c'est dommage, quoi. Ah non, j'ai plus paralysé? Non, c'est bon? Ok. Bah, ça m'a pas paralysé, en fait. Finalement, non. En fait, non. Putain, il est stylé quand même. Il a une petite iroquoise là, qui est un peu stylé, quoi. Allez, le petit coup de rapier. Le petit 16, là. Le petit 16, là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah bien sûr, en fait. C'était sûr. Putain, mais ils font tellement mal. Ça passe. Ils font tellement... Alors. Tu tapes sur lequel? Bah j'essaie de pousser celui de gauche. Ok, vas-y. 70% de chance. Vas-y, vas-y. Allez, hop. Il est mort ou pas? Il a pris que 8. Il a pris que 8, c'est... Attends, pourquoi tout à l'heure moi j'ai pris genre 20? Ok, celui-là, il lui reste 2 PV, je pense que tu peux le finir. Voilà. Allez. Moi je vais descendre. Bah... J'aurais dû peut-être... Ouais, Non, je peux pas voler d'aussi bas, je crois. Je sais plus. Écoute, je peux pas me déplacer beaucoup, c'est compliqué. Ma vie est compliquée. Aïe. Oh, j'ai fou. Oh là 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 là. Non, non, mais il fait mal. Oh là là, c'est insane. Alors, c'est insane ce qui se passe. J'aurais peut-être dû aider la prêtresse qui puisse nous... Ouais, mais j'ai pas assez de déplacement. Et un point de potion. Ça se fait, ça se fait. Ouais, ça se fait, ouais. Non, je peux pas faire autre chose. Ouais. Je peux pas vraiment bah, beaucoup me déplacer. Sur Lightzel, mais on va voir. On va voir. J'ai cut and run. Leave no trace. Je me suis caché. Parce que dans le doute, on se cache en fait. Ouais, si t'arrives à lui faire un crit. Le chasseur, je pense. Oh ouais, aïe. Aïe. Lui, il va être obligé de se déplacer. Aïe, il arrive à... Oh, le salaud. Fils de chien, il vient de finir. Oh, le fils de chien. Oh, l'énorme... Fils de Yen, d'ailleurs, plutôt. J'ai pas raison, la Yen. Team. Allez, hein. On adore les blagues, ici. J'ai loupé. Oh, il est chiant à tuer, hein, celui-là. Petite potion. La petite popo, du coup. Allez, on le termine. On le termine, il a dit. Moi, je pourrais une petite popo, du coup. Voilà. On va faire ça. Ah bah, écoute... franchement, mon arme spirituelle, je veux pas dire mal à Carrie, hein, depuis le début. Hein. Elle a raté. Écoute, j'ai 55% de chance avec lui, c'est compliqué. Hein. Depuis le début, elle a... Oh, le fils de chien. Écoute, je prends... Ouais, non, ouais. Non, mais bon, bah, du coup, voilà, quoi. Oh. Et fin de partie. C'est pas bon, loin. Écoute, je propose... En vrai, là, c'est qu'il a touché. Ouais, mais gars... Tu vas recommencer dès le début, le combat? Est-ce qu'on essaye de faire le tour, ou pas? Ouais. Ah, attends. En vrai, le problème, c'est qu'effectivement, j'étais pas assez discret, ce qui fait qu'on a... Oui. Est-ce que si on se met en discrétion, on essaie d'arriver le plus haut possible pour arriver sur les chasseurs? Je vais me chercher à boire, j'arrive absolument tout de suite. Très bien. Pas raconter ta vie, voilà. Eh ben... Tu peins donc des figurines, ça que tu disais.
Je suis de retour. Je suis l'ombre. Non mais on va faire le tour, on va faire le tour. Non mais meuf, discrétion, et je suis au-dessus là. Ah t'es au-dessus là? Attends, t'es où là? Excuse-moi, je te vois pas. Ah t'es là. Mets-toi en discrétion et viens. En discrétion ça passe, c'est juste j'ai une armure lourde. Je save. Donc, bien sûr, si j'essaye pas d'être discret et j'arrive en courant en armure lourde, oui. Bon, compliqué. En vrai, et t'inities le combat avec un petit crit là, et en vrai, moi je pense que ça passe. Tu crois? Ou j'initie avec une grêle d'épines. C'est tout. Non, 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 c'est pas assez grand zone. Vas-y. Attends, initie, attends, je veux monter en haut, moi. Bah oui. Ouais, mais ils vont me voir, non? Non, 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 moi ils m'ont pas vu. Hein. Franchement. Bon, j'essaye juste avant, donc si je rate mon jet de discrétion, let's go. Hein. Vas-y. Astarion, il est juste à côté, JPP. Mais monte. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai cru qu'il... Genre ils t'ont pas vu là? Ok. Le cunion en slip, ils l'ont pas vu. Vas-y. Bah il est cunion, il est en slip. Mais non mais, elle est conne elle. Je fais quoi moi? Bah tu fais un crit. Ah tu veux que je fasse un crit? Ah bah oui, t'es l'assassin non? Ah mais oui tu veux... Fais une attaque, t'as avantage dessus. Let's go. Ah mais au cac. Bah je crois que ça fait plus de dégâts en vrai. Ah ouais? Ok, bah vas-y hein, si tu peux. Oula. Bah il est dead hein, du coup. Combat. Ah t'es pas en combat? Bah oui t'es... Qui veut dire que... Y'a que Astarion en combat. Y'a littéralement que Astarion en combat et Astarion il est invisible. Hop là. Ils sont surpris? Non non mais bien joué, on a un round de surprise. Et il est Oui mais attends. Est-ce que je rentre dans le combat moi? Bah essaye de faire une attaque. Si attends, je vais faire un fracassement en... Ah oui, oui, oui. Non, ça va être insane. Fureur destructrice. Voilà. Oh là là, je l'ai eu. Je l'ai eu. Let's go. Je fais une attaque préparée. Oh. Bon là, on est mieux quand même. Il y en a déjà deux en moins. C'est pas mal. Je vais vraiment save, parce que là on est sur un bon début. Oui voilà, là on a fait un bon début. Ok, là le début il est pas mal, il est bien, il est strat, j'aime bien, c'est propre. C'est propre. We have the high ground et we have the high ground. We have the high ground, bien sûr, évidemment. On a tué deux chasseurs. Non, un ronchère et un chasseur. Et on a le high ground. C'est à qui là? Ah ça c'est rien. Excuse-moi, j'avais pas vu du coup. Invisible. Qui est, parce qu'il a tué quelqu'un. Donc il est sneaky sneaky. Bah du coup. Lui il a 14. Mmh. Oh, dommage, je lui ai fait que 12. Il lui reste 2 PV. Je suis tout petit peu dégoûté. Tout petit peu dégoûté. A better position. Je vais me mettre là. Et je vais me cacher. Allez bisous. Je vais me cacher. Allez bisous. Starion le creep. Qui adore regarder des chiens en étant caché. En étant caché, tu vas y rôter dans l'ombre. Chelou. Ils font quoi eux? Ah oui, ils lancent des trucs, ils se cassent. Ah non, mais eux ils font zone de défense. Ouais, ouais, ils en ont rien à foutre, ouais. Du coup, super. Hein. Alors attends, ils sont les ennemis. Il y en a trois là. Il y a eux. Bah écoute. Marque du chasse. Franchement, l'arme spirituelle elle a carry, hein. Donc vraiment. Je vais en mettre une, hein. Enfin, je veux dire, elle est là, elle fait le taf, quoi. Non, mais en fait, tu vois, ouais, voilà, rien bas que niveau... le fait que ça fasse menacer sur oui, eux, clairement. C'est très fort. Mais arme spirituelle, en vrai, bas niveau, c'est hyper intéressant. Mmh. Se répéter, c'est qu'elle est l'attaque d'Oppo, mais elle n'a pas l'attaque d'Oppo. Non, calmons-nous. Ça serait tellement pété qu'elle... Ça serait incroyable. Il est surpris. Oui, ils sont surpris. Ils sont surpris. Mais, oh mon dieu, mais nous faisions attaquer. Oh là là. Ah. Nul. Qui, Non mais j'ai une entorse. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le rocher était glissant en fait. Non mais en fait... Protection de tir. Après, attends, c'est vraiment une épée de protection de tir. C'est vraiment un truc de tir. Mais donc, en fait, on s'est fait donner par des diables un vrai truc de tir. Oui. Ça, c'est un peu rigolo en vrai. Oui, c'est un vrai truc de tir. Bon, lui, je le finis. Voilà. On n'en parle plus. C'est... Et en vrai, elle est pas mal parce que du coup, je peux le faire par repos court et ça me donne plus d'eau à la serre.
Donc ça te permet de jouer, d'avoir la même chose qu'un bouclier. Jusqu'au prochain repos long. Hein. Donc j'aurais dû le faire hors combat, certes. On va focus sur les ennemis, je pense. Oui. C'est pas mal. Oui. Bon là, on est sur un bon début. Mais voilà. Voilà, dans 3 tours, il va être chiant. Il va avoir 3 attaques. Bah là déjà, hein, je pense, déjà. Allez. Attends, je suis sneaky. Attends, je finis mon chasseur là. Vas-y, finis-le. Oh non, 2 HP. Il reste 2 HP, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je suis scandaleux. Bon, en vrai, moi je vais commencer. Ouais, attaque le boss. They won't know what bit them. Là. Nickel! Pikachu. Ah, qui est là-haut sur son rocher. Ah putain, j'ai plus de sorts de niveau 2 par contre. C'est quand même un peu scandaleux, mais c'est pas grave. Après, le fracassement, il a fait mal déjà. Hein. Oui, le fracassement, il a fait très très mal. Hein. Non, mais je réfléchissais, mais écoute, on va partir sur du rayon traçant, hein, finalement. Ça fait le taf. Mais alors, attends. Ah ouais, mais non, parce qu'il a 2. Si je finis le 2, ce serait bien. Si je fais une flamme sacrée en cantrip, si je... Une chance sur 2. Allez, vas-y. Oh putain, mais... Et non. Ta daronne, en fait. Après, pas de regret dans le sens où t'aurais fait sur l'autre, il aurait réussi aussi. Ouais, non, mais t'as raison. Du coup, ça ne change rien. T'as raison. Tu parles vrai. Et oui. Tu parles vrai, l'ami. Fur bouillonnant, bon, tu vas prendre cher. Ouais, mais ça va rien parce qu'il va la... Ah non, je piège les projectiles, moi. Hop là, hop. Je prends 0. Ah mais non, mais arrêtez tout sur la gueule. Moi, je trouve que vous êtes un peu raciste. Non mais c'est vraiment, bizarrement, tout sur la Gitianki, quoi. Enfin, voilà, on veut pas... Si. Ah non, je prends une attaque d'oppo. On va faire fissure, là, ça toucherait pas les deux. Si, ça touche les deux, là. Très beau. Allez. C'était beau. Du coup... J'ai apprécié ce moment. Je vais faire ça. La fougue. Vas-y, déglingue-le. On regarde, tout le monde regarde. Est-ce que... Petite lacération... 40%, hein. Bah... Ah, dommage. Ouais. Dommage. 40%, dommage. Les statistiques, tout ça, quoi. Aïe. Ça te ouais, mec. Font un peu mal, ces saloperies. Bon, si, c'est pas non plus... Non, mais bon. Ah du coup j'ai plus fissure. Hein. Mais bon, ça m'a permis de le t'amener et d'entamer l'autre. Voilà. Oh, okay. Allez bisous hein du coup. Genre t'as fait pile 15. J'ai fait pile 15, c'était incroyable. J'ai adoré ce moment, j'ai vraiment adoré genre ce moment. Ça opti les dégâts. Ah mais je me prends une. Oh non mais va te faire foutre. Hop là. Non, nickel. Enfin. Bon ça va pas bien ou dis donc. T'es pas bien. Pling. Aïe. Oh, il t'a fait 31, c'est insane. Oh, il vient pour le petit cul d'Astarion, je oh crois. Oh là là, il a fait, alors dis donc, te vois là qui se cache depuis tout à l'heure. Astarion, il fait oui, du coup, comment on cherche pas. Je vais mettre marque du chasseur soufflé. Et on va tenter, tire dans la cuisse. Oh, il fait 31, j'ai envie de crever. Ah, il a réussi le save tir dans la cuisse. Allez, moi je m'écarte un peu. Hein, hein. Attends, je fais juste un truc, mais je sais plus comment on utilise les poisons. Parce qu'en fait, je veux utiliser le poison sur mon. Bah, faut t'équipes l'arme sur laquelle tu veux. Faut que tu l'aides équipée. Oui, je l'aide équipée. Et bah, tu utilises. Si je clique sur le poison, ça. C'est, ça met. Ouais, ouais, je vais ouais. pas le boire, en fait, c'est ma question. Non. Ça l'applique. Ok. Non, tu n'es pas con. Oui. Ah putain, il a inoculé poison draw. Mais il est empoisonné par contre. Ouais, mais dans 2 tours, du coup, ça veut dire qu'il va dodo. Non ? Je sais pas. J'en ai absolument aucune putain d'idée, frère. Vague tonnante, je propose. Vous avez réussi un jet de sauvegarde contre le poison draw. Cette substance ne peut donc plus vous affecter. Ah non, bah non. Il a rien, du coup, il a réussi. Vas-y. Dommage, ça l'a pas repoussé en bas. C'est dommage.
Allez, relève-toi, bébé. Moi, je vais peut-être reculer, du coup. Alors, j'ai 6 HP, j'espère que la hyène va pas me... Allez, salut. Tu remets. Oh, putain, bah oui, il va bien descendre dessus. Bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr. Il a fait 2, tu as 1 HP, tu as 1 HP. Et j'ai pas l'action. Ni l'action bonus. Ah non, ah non. Ah non, tu peux pas fuir non plus. Oh là là, quel enfer. J'ai affliction spirituelle. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud pour ta gueule. Bah, je remets au prochain tour. Voir juste après avec la hyène. Salut. Bien sûr. Voilà. Oh là, oh là. Elle a mis son meilleur crit en plus. Oh, oh bah. Bon bah, rip, hein, du coup. Oh, il a pris 11. Il a pris 11. Bah écoute, j'ai envie de te dire, on va au cac, hein, du coup. Hein. J'ai envie de te dire, let's go. Hein. J'ai envie de te dire, finalement, let's go, quoi. Oh, il lui a fait 4. Voilà, super. 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 Hein. Non, on assume ses choix de vie. Voilà, quoi, finalement. Est-ce que je... Ah, j'ai plus de soins. J'ai plus de soins, c'est terrible, j'ai plus de sorts. Donc là, ça va être du cantrip. Après, si on finit Flynn, déjà... ça sera pas mal. Après, ouais. Ça va le faire, ça. Oui. Ah, ça passe pour une fois, putain. En vrai, je vais venir au cac aussi. Hein. Enfin, j'ai rien à un moment, on va venir le taper aussi, quoi. Moi, j'ai plus de sorts. T'auras plus de CA Castarion, quoi. J'aurais plus... Ouais, ouais. Bah oui. Oh, le fils de chat, des petits salauds, hein. Ah, c'est vraiment des petits salauds parce que vraiment ils te finissent en fait. Par contre, il y a lui qui vient. Ça, c'est chiant ça. Ouais. Oh, il vient. Nul. Ah, il t'a loupé. Oh, j'ai pas d'attaque d'oppo. Eh oui. J'ai pas d'attaque. Pourquoi je dis ça serait tellement fort si... J'ai pas d'attaque d'oppo. Ah, mais vas-y, elle a fait ouais, vachement de déplacement là. Elles ont du déplacement. Non, non, elle a pas fait foncer, hein. Juste, elle a utilisé son déplacement là. C'est scandaleux. Et voilà, et moi je. Et l'arme qui envoie. Attendez-moi. Attendez-moi. Je suis. Parce que en fait. Oh, je prends cher. Je prends un peu cher. Ah, il se casse. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Ok, il y a l'IA qui est un peu. Qui est un peu teubé. Ok, je peux. D'accord. D'accord. Pour l'instant, le jeu, je ne l'ai jamais vu planter. Non, mais il plante un peu depuis. Depuis un. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment, ça passe. Allez, je le finis. Non, 20 HP, peut-être pas. J'ai raté. J'ai vraiment raté. Parce que j'ai affliction, parce que raté. J'ai pas d'action bonus, j'ai rien du tout, en fait. Là, c'est scandaleux, là. Allez, je bois une potion de vitesse. Parce que... Parce qu'il y a un moment... Un HP. Je suis deg. Il a 1 HP ? Il a 1 HP. Ah, je tente, hein. Allez, ça caisse tranquillement. Le KS. Dans le plus grand des calmes, les enfants. Ouais, j'ai pris une. J'ai combien de CA, moi, je m'en souviens plus. J'ai 16. Moi, c'est pas fifou, les enfants. Ouais, c'est pas fifou, hein. C'est pas fifou, hein. C'est... On essaye, hein. On essaye. Ouais, avec... yeah. On fait ce qu'on peut, quoi. Non mais par contre je vais peut-être boire une petite potion, histoire de d'avoir max PV peut-être. De tanker De tanker un peu quoi. Ouais. On va tanker un peu. Ça va, il est pas en... Ah si, il a déchaîné. Ah, il a plus déchaîné, justement il a plus déchaîné. Ah. Oh, il vient au cac. Ouais, rip. Bah il a déchaîné du coup. Ouais. Allez, l'arme spirituelle qui finit la hyène là, de toute façon. C'est réel. Un ratable. Va. Attends, elle monte. Elle fait ce qu'elle peut. Allez, ah. Mais non, mais hey, PGM, hein, PGM l'arme spirituelle, hein, depuis le début de ce combat. Hein. Assez ouf, quand même. Bon. Il en reste un. Il en reste un, frère. Il en reste un. Il y a un moment, faut... J'ai plus de chances de le toucher que ma... Voilà. Je le marque. Super. Super, super. Super. Mais d'où il réussit ? Oh, voilà. Je save.
J'ai save, voilà. C'est bon. C'est bon. C'est incroyable. Bravo, GG à tous. Aise. Calmons-nous. Ah! You're a sweet sight. Non mais on vous parle pas plus tard. Mais, bah merci de nous avoir aidé, bande de fils de chien en fait. Laissez-nous relever nos morts. Je déjà. N'ai vu que du sang des viscères. Damn it. I guess that's a no. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Fais le petit repos court en même temps. Mon visage sera beaucoup moins amical si vous ne remettez pas votre carmaison immédiatement. Alors. On est pas full. Oh, faut qu'on le prenne. Faut on qu'on est pas full PV. On est pas full. Bah non, on est 2 à 1 HP. Ah. Et non, on peut pas repos court. Après, est-ce que Lightzel peut. Alors, Lightzel, je peux lui faire faire. Je peux ça. Les intimider. Je peux tenter une intimidation. J'ai save juste avant. Intimide. Hold on now. You made short work of the beasts. N'a pas peur. And I reckon you'd make shorter of me and the boy. But we're not plump little merchants you can boss around. Ah ouais, bah écoute. Zentarim, bah je m'en bats les reins en fait. Bah je m'en fous en fait. Toi le Zentarim. Zentarim hein. Si vos chefs veulent s'emparer du coffre, je les tuerai aussi parce que j'en ai rien à foutre en fait. Moi je suis une ouf, je suis une gueudin en fait. Tu sais pas à qui tu parles en fait. La meuf qui s'énerve. La meuf qui a zéro sang-froid. Tougher bastards than you have tried. Let's just go our separate ways and be thankful we're all in one piece. En vrai, on le défonce. Rugan, il est non, niveau 4 aussi, il a 34 HP. Je m'en bats les couilles, je vais le déglinguer en fait. Oli, il parle pas comme ça en fait, il Oli, est fou lui. Oli, il est stagiaire. Il est niveau 4 mais il a 15 HP donc il est stagiaire. Attends, mais le gars, je déglingue en fait. Thaumaturgie, ça me donne avantage, je m'en bats les couilles. Plus assistance, tu peux avoir. Ah non, j'ai fait 20 nats. Je le déglingue, il se pisse dessus, je m'en bats les couilles. Tu m'entends? Je m'en bats les couilles. Bilbo, Saxe. Ouais, t'allais me le suggérer. Ouais, petit fils de chien, là, et donne-moi ton or, là. Et ton slip. Je veux tes bottes, ton blouson, ta moto, et 100 balles en mars. Little serpent, long shadow. He'll take good care of you. Ah, il me donne petit serpent grand... Non, c'est pas ça, je crois. Je pense que je suis pas sûr qu'il donne vraiment le vrai mot de passe à mon avis. Ah ouais. Je sais pas. Ah, est-ce que tu donnerais le vrai mot de passe à quelqu'un qui vraiment vient de te menacer de mourir finalement? Après, si vraiment t'as peur. Ah c'est réel. Peut-être. Oh, le mec a trahi ses potes comme ça. C'est pas 20 nats. C'est vrai. J'ai fait 20. C'est vrai que j'ai fait 20 nats. C'est possible. J'ai fait 20 nats. Et bah GG wellplay hein. Quand je save. C'est jamais. J'ai plus de sorts, j'ai plus rien. Oui. Vraiment, je propose que peut-être. Bah, on loot la grotte là. Ouais, et on va et se reposer du coup. Et le repos. Le petit repos, quoi. Par contre, alors, y a pas quelqu'un qui a de l'eau? Parce que là, y a beaucoup de. Y a du feu, quoi. Du feu, quoi, du coup. Est-ce que j'ai de l'eau, moi? Je crois pas. J'ai rien pour faire de l'eau en plus. Salut le stagiaire. Ah oui, non, mais c'est vraiment un stagiaire. Ah, mais c'est vraiment un stagiaire. Il est vraiment un stagiaire. Quelqu'un peut éteindre le feu là ou pas là? Ça me fait chier d'utiliser de l'eau pour ça en fait. Ouais j'avoue, bon écoute on traverse et puis on s'en bat les reins. Tant pis. Bonjour. Ça, j'ai failli perdre direct ma concentration là-dessus. Tu as perdu ta concentration. Ah merde. Nope. Ah bah parce que t'essaies de l'utiliser, là ils vont vouloir te déglinguer. Non, c'est... j'ai cliqué sur Astarion sans faire gaffe. Par contre ton perso il est toujours dehors. C'est vrai. Ce serait bien qu'il rentre du coup, si on a un combat parce qu'on veut les dépouiller. Donc tu veux prendre le truc? Bah je les ai menacés pour une raison hein. Ah d'accord, oui bah prends, vas-y hein. Par contre c'est bizarre parce que je les ai menacés en fait quand même. Attends, il est comment lui? Ils sont comment eux? Il a 14 de CA, non, il a 30 PV... Non mais on le déglingue. Je veux dire... Attends, mais Astarion il va... Attends, t'inquiète. Ah merde. Mais non mais monsieur, faut pas se retourner en fait. Enfin monsieur... Mais... Arrêtez ça. Mais monsieur... Non mais on va simplifier sans ça. Hein. Ouais vas-y hein. Vas-y. T'as raté.
Attends, attends, je vais le déglinguer. Non, merde. Bon bah non, du coup. Voilà. Stagiaire là. Allez, bisous. Voilà. Déséquilibré. Et hop, et je me recasse. Là. Il s'en va, il s'en va. Il va jeter un truc. Bien sûr qu'il va balancer un truc. C'était sûr. Ça va, ça va. Nul. Oh bien, Philippe. Par contre, il est loin là, flemme. Il est un peu loin là. Il est un peu loin. Comment? Il a cassé ce con. Ouais, il a cassé l'échelle. Il a cassé les. Putain, Philippe, t'as cassé l'échelle. Il a beugné l'échelle, putain. Bon, 40%, c'est pas fou. J'ai vraiment raté. C'est dommage. 45%. GG. GG le crit, hein. GG le crit, hein. Allez. Là. 80% avec avantage. Voilà. Non mais oh. Je sais. Ça veut pas nous donner son stuff là. Non mais attends, il est fou lui. C'est un gueudin. Oui. Je peux le looter. D'accord. Armure en cuir, épée courte. Le coffre. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a une clé? Moi j'en ai pas. Ah. Enfin, ça, on peut l'ouvrir à la rigueur, mais juste c'est que. Oui. Non, tu veux pas le faire avec ça? Si, vas-y. C'est juste qu'il devait sûrement avoir la clé, mais en fait, bon. Ah bah si, mais ça se trouve, c'est ça, non? T'avais pas la clé? Que je dois faire 20. Après, j'ai fait 21, donc c'est pas grave, on s'en fout. Il y a vraiment. Oh, une flasque en fer! Qui contient quelque chose et de l'or. Ok, je sais pas ce que c'est, mais. Voilà. Et bah super! Une bien bonne journée, j'ai envie de dire. On va pas marcher dans le feu par contre. Stop. Est-ce qu'on irait pas se reposer? Et après on ira vendre. Ouais, attends, je loot. Vas-y. Ah, des flèches, parfait. J'en avais presque plus. Flemme de looter tout le reste, hein. De toute façon, ah, y a rien. Non, c'est de la bouffe faut ramasser. Mais sinon, non, on s'en fout. Hein. Ouais, bah c'est bon. Allons nous reposer, les enfants. Le long repos. Ah! Hellsfire. Une cinématique. Cinématique, hein. Ah bah oui. On a tué Karlak. Ah putain, c'est vrai qu'on a tué Karlak. Je m'en souvenais pas. Oh, c'est terrible. Buddy, I thought it was time I dropped by the doghouse. Mizora. Sympa. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont envie de se faire marcher dessus par Mizora apparemment. You haven't introduced me to your friends. Where are your manners? Vous pouvez m'appeler. Oh, attends, y a un bug. Vous pouvez m'appeler Jen Player Name underscore C1111EEE1E tiré 7715-7143-7233-L24-277-99-FA53. Et qu'est-ce qui se passe dans les, par les 9 enfers, hein? Ah, mais c'est toi qui réagis en fait. C'est moi? Putain, bah oui, c'est toi. C'est toi qui. Moi, je sais pas. Absolute stinker. You kept me a secret. Time to let the Hellcat out of the bag. Elle fait beaucoup de jeux de mots, Mizora. Oui. Énormément de jeux de mots, Mizora. Patron, the fount of his power. Your warlock friend is my puppy. And he's been a very good boy. I say fetch, and he'll fetch. I say kill a fugitive tiefling, and... Well, I don't need to tell you. You said devils only. She was a tiefling, not a monster.
Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Cheer up, Buttercup. Karlach had no heart. You did the world a favor. More to the point, you obeyed. Ah là là, hein. Videz votre sac, Gabriel, c'est bon sang, Will. Je sais pas ce que t'as mis quoi, bon sang, Will, quoi. Oui, bon sang, Will, dit. Genre, déballez votre sac, quoi. Oh, wow. L'épée des confins. Mais il gagne des pouvoirs, en fait. Ah. Ah putain, mais si Karlach, elle est morte, il gagne des pouvoirs. Parce qu'il a fait ce qu'elle lui a demandé, oui. En fait. Oh ! Attends ! Shame that tadpole's gone and pissed on your party. Attends, mais c'est insane, ça, par contre. Il a reçu quoi, là, comme loot ? T'as quoi comme loot, là ? Attends, attends. Donne-nous ton loot. C'est quoi ton loot, Will, là ? I'll be back in three shapes of your tail. Keep an eye on him, will you ? Putain, donc quand on tue Karlach, il reçoit du loot. JPP. Ça, j'avais jamais vu ça, en vrai. And Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. 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 Et il a pas les cornes. Oh, il a pas d'accord. Les cornes. Robe infernale, donc on a une robe très rare. Ok. Sérieux ? Mais c'est à dire... armure plus 1, confère une résistance au type de dégâts de feu. Mais alors attends, on donne ça à qui ? C'est une robe, donc c'est pour quelqu'un qui... Bah, qui n'a pas qui en vêtements. On n'a pas beaucoup de gens en fait. Je suis en train de me poser la question. Ouais, on n'a pas de lanceur de sorts mage en fait. C'est un peu dommage. Parce que ouais, c'est un truc qui est. Bah du coup, en sort d'évocation, t'as bouclier de feu chaud. Ça donne plus 100 en classe d'armure et résistance aux dégâts de feu. C'est sympa. Bah tu veux envoyer... Moi la seule personne qui est en vêtement machin c'est Astarion, mais bon c'est pas un lanceur de sorts quoi. Bah Steam maintenant il a pas mieux. Bah il a pas mieux, il a vraiment juste une armure matelassée en vrai. Bah je lui donne. Oh, c'est insane. Bah il est toujours à... Alors donc... Bah il est toujours à 15. Il est toujours à 11. Il est toujours à 15. Oui parce que voilà, mais par contre... Il a bouclier de feu. Et il a résistance au feu. Incroyable. C'est pas mal. Bah c'est pas dégueu en vrai. Ouais, bah c'est un bon vêtement. En fait, oh, hein. ça lui va hyper bien en vrai. Je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Écoute, je t'autorise à remettre tes vêtements, mon petit Astarion. Mais profites-en, ça va pas durer longtemps. Bon bah super, du coup. Putain, donc en fait, tu tues Karlach et on te donne un objet bien un sûr, peu ouf. Oh, putain, c'est... c'est terrible. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler, il y a Will qui veut parler. Moi j'ai la flemme de parler à Will. Hein. Ouais, non, mais je vais speedrun. Moi j'ai un peu la flemme de parler à Will. Hein. Oh il là est là, où qu'est-ce que j'ai fait. Il est là, Flétrice déjà. Est-ce qu'on a Flétrice? Oui, on a Flétrice déjà, non. Il est où Flétrice? Est-ce qu'on a Flétrice? Bah oui, oui. Mais il est où Flétrice? Vraie question, il est où? Ah, il est là, il est juste là, excuse-moi, j'avais pas vu. Excusez-moi, Flétrice, vous êtes si. Vous êtes un mort quoi du coup j'ai pas enfin bref très bien très bien. Bah je lui ai parlé en mode bah frérot ça dit oh là là faut surtout pas faire des pactes avec des diables et ça en fait. Ah bah alors bah alors on va se coucher, let's go. Est-ce qu'ils ont patch le fait que maintenant tu tombes tout le temps sur... je sais pas, peut-être tu dépasses pas, c'est possible. Ah oh là 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 là. Putain, c'est un peu Rip Karlach, ouais. Hop. Ouais, Rip Karlach hein, du coup hein. Ouais ouais hein. C'est enfin, bon. Rip Karlach, Rip Gale. Est-ce qu'il faut essayer de faire une run où vraiment tu tues tout le monde. Ça serait incroyable. Où t'as le moins de personnages. Est-ce que tu peux tuer Astarion au début, je suis pas sûr. En broker, je pense pas que tu puisses la tuer, même si tu la libères pas et tout, je pense pas que tu puisses... Je pense pas non plus. Je pense pas non plus, en vrai. Je réfléchis. Hop là. Never a dull moment.
Will, j'ai pas l'impression non plus que tu puisses le tuer. Bon, Lightzel, tu peux. D'ailleurs, on va où? Donc là, on a fait les gnolls et tout. Est-ce qu'on retourne vers le... Bah, on retourne vers le village dévasté, je suppose. Non. Oui. Là... Bah non, on a... Soit on a Hawkin. Bah, le village dévasté, on l'a pas... Non. Attends, village dévasté... Non. On n'a pas... Faut aller... Bah, village dévasté, on a quasiment tout fait. Bah non, on n'a pas fait le sous-sol. Ah oui. On est vraiment niveau 4, non? Je sais pas. Oui, oui, oui. T'attends pas? C'est comme tu veux, hein. Oui, oui, vas-y. Je sais pas, par contre, je sais plus trop ce qu'il faut faire. Attends. À part si... Ouais, je sais pas. Bah, on descend par le puits, comme ça on est plus proche. Ouais, les araignées, c'est pas mal parce qu'il y a quand même un peu de loot, dans mon souvenir. Ouais. Il y a une armure un peu sympa. Bah t'as ramassé, déjà? De comment ça? Dans le... Bah dans le... Le côté là. Quel côté? Non, t'y es pas allé. Là. Non? Y'a quoi? Bah y'a... Ah y a putain trucs, C'est vrai! J'avais oublié. Hop, attends, je save. Je sais plus ce qui se passe donc je save. Oh, y'a rien. Ouais, mais bon, on sait jamais. Ah oui, journal brûlé. Ah oui, c'est vrai, il se passe des choses. On nous explique des trucs. Y'a des viscères, super. Bah tu devrais être contente, c'est un peu ton lore. C'est un peu mon lore, c'est vrai. Ouais, j'ai un lore un peu étrange, hein, manifestement. Y'a un petit diablotin habillé en steampunk qui est venu me dire « Oh là là, mais... maîtresse, vous avez l'air en pleine forme !» Super. Je suis heureux de vous voir. Je suis heureux, je suis votre majordome. Très bien, très bien. Oh, y'a plein de parchemins. Je prends. Ça, t'es amnésique et tu te rends compte qu'en fait, t'es complètement psychopathe. Bah, je crois que c'est vraiment ça, hein, le Dark Urge, genre, j'ai l'impression. It's giving me ça en fait, hein. Ouais, ouais, clairement. En mode, t'as un petit passé quoi. T'as un passé un peu bresson quoi. Qu'est-ce que j'ai comme parchemin? Je vais peut-être t'enfiler en vrai. Hein. Oh, j'ai un parchemin de toile d'araignée, bien évidemment. Bah là, du coup, j'ai ramassé les bottes de pas d'araignée qui évitent l'entoilement. Ah! Bah, je vais les envoyer Lightzel. Oui, bah oui, bien sûr. Qui puisse cac. Bien sûr. Évidemment. Eh bien. Alors, t'as le truc de tir avant. Là. Hop, protection de tir. Et je suis. L'agro. Attends, jusqu'au prochain la robot. Je vais faire un truc moi. Je vais me faire ça. Parce qu'en fait, je fais pas mon bouclier de la foi alors qu'en vrai. J'ai peu de sorts en concentration, donc ça serait con de pas le faire. Et que j'ai pas une CA incroyable, donc ça serait bien de... Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On se cache? J'essaie de la... Bah, si t'arrives à la toucher de loin... Ou sinon... Je save, au cas où, parce que là, je sens qu'on va faire des... On va faire des dingueries. Bah, elle a un peu plus de HP, du coup, là. Elle a 162, elle est niveau 5, il y en a deux niveau 3 qui ont 30 HP. Après, 30 HP, ça se fait. Est-ce que je tire sur le truc quand elle est dessus? Ouais, peu si t'as pas la range. Je pense que j'ai pas la range. Hein. Est-ce que je le fais quand elle est de ce côté-là? Ouais. Comme tu veux, peu importe. Attends, là elle est sur 0 toile en fait du coup, donc... Ok. Là j'attends qu'elle y va. Là. Let's go. C'est pris 40. Elle est 40 et elle est à terre. Et elle voit pas. Ah! Ah! Et ben on va y aller au. Petit marteau de chasseur. Voilà. On va y aller au CAC parce qu'il y a un moment, faut arrêter de jouer les nuls. Les timides quoi. Ah putain, attends, mon personnage j'ai pas. Et ben encore. Ouais, bah du coup, CAC, ouais. Merde. Par contre, vraiment, mon personnage n'est pas encore. Comment? Il est pas au combat? Elle est pas du tout au combat. Ah.
Merde, ça y est, le combat. J'ai essayé de faire un truc, mais c'était nul. Alors attends. Si t'as un faux grégeois en bas, sur elle. Oh, je te l'envoie, sinon. Non, mais j'en ai un. Parce que clairement, là, pour un. Moi, ils ont En vrai, je peux tenter un truc. Je peux tenter une méta. Est-ce que j'appelle mon épée en bas ou pas? Je pense qu'elles vont toutes TP en haut. Ouais, en tu vrai. Penses? Ouais. Ok. Bah, je l'appelle en haut en fait. Ouais. Ok. Ok. Et je m'éloigne de la toile hein, parce que c'est chiant. Tu as bien raison. Voilà. Alors, genre. Bah, elle attend, hein, du coup, moi, mon arme spirituelle. Hein. Elle va se mettre là, puis elle va attendre, du coup. Arc bouté ? Quoi ? Oh, waouh, tu l'as crit. GG. Ouais. Ça fait en sorte que du coup, tu sais, je perds 6 mètres de déplacement. Mais je sais plus quoi. Mais ouais. Ça fait attaque préparée qui me donne. Ah oui, j'ai le meilleur résultat sur mes deux jets de dégâts. Ok. Ah oui, elles ont subi des dégâts. Ouais, voilà, tu vois. Elles font quoi, elles? Bah, elles vont attaquer. D'accord. Voilà. D'accord. Genre, manger ma concentration. Par exemple. Attends, de la saloperie, ça. Attends. Je vais peut-être me faire des dégâts, mais j'en ai les 3. Voilà. Non, ça va, j'ai. Celle qui a un HP, elle va mourir. Ah merde, c'était. Et l'autre elle a un HP donc elle va mourir aussi. Donc on s'en bat les couilles. Est-ce qu'elles ont une. Elles ont pas d'attaque d'oppo, j'ai l'impression. Si. Ah bon? Elles ont une attaque d'oppo. Ah c'est juste que je suis invisible. Ah bah oui, donc tu ne subis pas d'attaque d'oppo. Bien sûr. Allez, bisous hein. Hop là. Bien pratique cette histoire. Elle s'est TP bien sûr. Oh, si tu restes là, tu retombes hein. Aïe. Bah tu vas retomber. Mais pourquoi bah, moi en fait pire. Vous êtes groupir. Mais on n'est pas groupir, calme-toi. Elles sont intelligentes. Alors que... Bon elles ont 6 intel. Alors excuse-moi, je pense pas qu'elles aient genre construit la tour Eiffel ou tu vois. Enfin, donc faut se détendre. Hein. Alors attends. Quoi? J'ai eu peur, j'ai vu vague tonnante. Hein? Bah non, pas vague tonnante. Bah sinon, tire sur la toile. J'avoue. Elle retombe. Hein. C'est très vrai. Mais j'ai un désavantage, mais j'ai 100%. Voilà. Il y a surprend. 6,57. J'avoue. À terre. Je vais peut-être me soigner, ça vous dérange pas trop. Du coup. Bonne idée. Par contre, ta poison, ça te fait quoi, attends? Ah, attends, c'est pas con ce que tu dis. Attends. Test de compétence et j'ai d'attaque. Non, c'est bon, ça t'enlève pas de. Oui. Oh la petite. La petite. Aïe. Catin. Oh, triple réussite. Allez, le petit 11, il fait plaisir. Alors, je finis elle. Ensuite, je fais ça. Est-ce que je la frappe en cognant lourd? Oui. Ou est-ce que je la. Non, je vais tenter ça plutôt. J'ai mieux. Hop. Ah! Bah, ça a pas marché! Si, il y a 6 HP sur la toile d'araignée. Oh, je dis pépé, non! Ah putain, non!
Et j'ai raté. Oh là là, mais c'est un échec. L'échec est cuisant, mesdames et messieurs. Non, mais vous savez, on va réussir à tous les coups, quoi. Ouais, mais ça arrive à... Ça arrive au meilleur, quoi. Ça arrive à un Git Yankee sur deux, il paraît. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ah, pardon, c'est à moi, excuse-moi, j'avais pas du tout... Mais non, mais je peux pas... Enfin, je peux rien faire, moi, en fait, du coup. Mais c'est pas grave. Bah ouais, hein, je vais attendre. Voilà, ça, ça meurt. Tout seul, comme des grandes. Hop, avantage. Hop là, la petite flèche. Là. On va reculer. Voilà. Pour pas qu'il. Pour qu'elle vienne là. Parce qu'on aime pas trop que. Voilà. Moi je me cache. Hop là. Ah bah elle est pas contente. Fureur de la reine araignée. Elle est pas contente, elle a 15 PV. Ah non, ça va ramener des bébous là. Ah oui, non, flamme. Elle est jolie quand même, hein. J'aime pas les araignées, mais elle a un petit style, quoi. Aïe. Aïe. Des petites baffes, hein, quand même, hein. Petite, ouais. Des avantages. Des avantages, donc. Des avantages, j'ai que 16% de toucher, moi, je pense que ça passe. Attends, 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 j'arrive. En vrai. Là, j'ai 40%. Attends, bouge pas. Voilà. Alors c'est pour faire ça, c'est pas la peine, hein, en fait. Hein. Ah bah voilà, ça c'est bien, ça. Putain, elle est à 3 HP. Elle est à 3 HP, c'est scandaleux. C'est scandaleux. 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 Bon bah moi, je sais pas quoi foutre parce qu'elle est repartie en bas, moi. Bien, 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 bah on se fait chier, du coup. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait là? Elle est en bas, elle est en bas, je peux essayer de lui tirer dessus, vas-y, je lui tire dessus. Enfin... Raté? C'est scandaleux. Raté en fait. Raté en fait, d'accord, bah super. Et bah super. C'est pas la range? Putain, je lance pas assez loin. Elle veut pas revenir l'autre là? Elle reviendra pas. Si, j'ai rien dit. Putain, mais 9 HP. Elle a 9 HP, JPP là, faut la tuer là. Attends, je me cache derrière comme ça, elle va être obligée de. Bon bah, je me cache pas derrière du coup. Du coup, non. Ah voilà. Ah voilà. RIP. Ah oui. Effectivement. Ah. RIP. Non, la duel elle est encore un peu petite. Trop nul. Nul. Oh. Est-ce que c'est l'arme magique qui va KS? Bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment l'arme magique qui va KS, évidemment. Évidemment dans le plus grand des calmes. Petit 21. Mais il reste qui là? Bah les bébous qu'elle vient de ramener. Ah putain, attends, ils sont. Ah oui, ils sont là-bas. Ah ouais, mais moi là je peux rien faire. Hein. Là, désolé, mais je peux rien faire. Ils vont se TP, j'espère. Oui, ils vont se TP. Voilà. Voilà. Allez, tout sur moi. Allez, let's go. J'adore. Allez, salut, hein. On s'amuse bien, vraiment. Et bah, amuse-toi bien, du coup. Oh, mais on va les tuer, hein. Bah voilà, nickel. Bah, t'as pas besoin d'aide, finalement. Bon, allez, moi, je me casse, hein. Salut. Victory await. Merci. De rien. Ah mais c'est mon tour. Bah oui, mais je peux pas faire grand chose. Ah écoute, de toute façon je vais pas mourir là, si. Bon, au pire tu retombes, c'est pas grave. Hein. Ça va coûter qu'une action. Hein. Tu veux que je tire sur... Ah mais je... Bah, mais non, t'as pas d'action. Ah mais non, j'ai pas d'action, j'ai absolument pas d'action. Non, t'as mis action. Bon, non, bah voilà. Non mais... Ah putain, mais y'en a une autre. Elle était un peu en retard, mais qui était en retard. Mais, en retard.
Elle t'a crit. Ok, elle a mis ses meilleurs crits. Elle t'a crit, JPP. Elle m'a mis ses meilleurs crits. Attends, je vais crit une araignée. Oh mais non, on a tapé sur la même. Mais c'est débile. Ouais. On a tapé. Mais elle est où la dernière? Attends, elle est à côté de moi. Ah putain. Non, ça va. On peut voir maman. Hop, tout en bas. Je save. Pose un petit repos, ouais. Un petit repos court. Petit repos court. Allez, let's go. Inspiration pour Light Zell. Tu veux... Attends, tu dois lui parler. Ouais, bah oui. Oh, insane. Merci. I have a confession. Ah. I was too hasty ouais, to judge on est des soldats, nous. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. On le dit souvent. Là, elle va commencer à te draguer, je pense. Elle va te dire que elle sent, elle renifle ta selle, elle te regarde pendant que tu dors. Vraiment, un comportement extrêmement sain, quoi. Oh wow. You would tear the horns off one dragon for plunging into another. You've gained my respect, and more still, my susciter mon désir. Le désir, le cul. Enough to make my neck sweat, and my hairs stand on end. C'est gênant. Elle respire ton odeur. Je préfère qu'on reste amis. Je respire ta selle. Oui, là, parce que ça m'inspire. Et là, je vomis. Non, mais. Attends, je suis pas très perspicace, moi. Est-ce que tu veux pécho Light Zell? Je sais pas, moi. Bah, non, moi, j'ai pas compris. Je veux. Elle a dit, je cite. Je veux vous goûter. Je vais goûter. Je vais te goûter, en fait, tout simplement. JPB. Je veux partager mon corps avec vous, moi aussi. Je ne dis pas non. J'ai dit à la personne, moi, que. Oh, bah, pour la science. Ah, bah, je dis pas non, du coup. Bah, je sais pas trop. Bah, je suis flattée, mais. Enfin, je sais pas. Enfin, du coup, ok. I won't be your girlfriend, but I will be your lady. Ah, bah, d'accord. Si c'est juste. Ah, c'est charnel. Un plan cul, c'est du plan cul, voilà. Oui, bah, elle aurait dit ça, mais. Vu ce qu'elle a dit avant. Bah, elle a intensément envie de te ken, hein, c'est ça qu'elle est en train de dire. Voilà, t'es... D'accord, ouais. Ok, très bien, madame. Ouais, alors, vous êtes pas du tout creepy, madame, du coup. C'est très gênant, quand même. Très bien, très bien. Et bah, super. C'est un peu gênant, parce qu'en fait, vous passez votre temps à me sniffer dans le cou. C'est ça. La meuf, elle te renifle. Elle te renifle. Quel enfer. Comme si c'était un trophée, on dirait. Ah, voilà, il y a l'armure incroyable. Hein. L'armure, la robe d'empoisonneur. C'est gênant, quoi. Ah non, elle est pas si incroyable que ça. Je suis un peu déçu. Elle est pas si incroyable que ça. Ça te rajoute un D4 de poison, non? Ouais, c'est ça, ça rajoute un D4 de poison. C'est quand tu lances un sort qui donne des inflige des dégâts oui. De poison. Ouais, donc en fait, déjà, c'est de la merde. Bonsoir, Ixi. Hein. Bonsoir. Déjà, ça limite. On a tué une grosse araignée, écoute, super. Oui. Et toute sa famille. J'ai crâne en feu, je vais mourir. Bah pourquoi, qu'as-tu fait? Tu as cogné ton crâne contre quelque chose? Ou pas servir de son crâne pour ouvrir des objets, hein? Attention, hein? Dangereux? Le mal de tête? Mais y'a pas une armure de l'araignée du cul, normalement? Y'a pas un truc, y'a pas un méga loot? Mais non, mais ça c'est Mizora qui l'a. Pas Mizora, Mintara. Ah putain, t'as raison. Mais vu qu'on va pas la tuer. Ah, oh, je regrette. Ah, mais comment je fais pour ouvrir mes boîtes de ravioli? Bah. Avec tes dents en fait, Ixi. Je crois que c'est fait pour quoi les dents? Enfin. Entre. Avec ton biceps. Entre ton avant. Bah comme oui, les vrais. Vrai alpha ouvre. Vrai alpha. Bon bah moi je vais me TP à l'extérieur parce que j'en ai marre de looter. Je te laisse faire. Allez, bisous. Hein. Est-ce que tu veux sauter avec moi dans le trou? Bien sûr que non. Vous êtes bizarre, monsieur. Non, mais pose-moi. Moi, je suis pas romantico-émo bizarre, là. Moi, je propose des activités... Des activités scènes de couple, finalement. Hey, tu veux sur... Hein tu veux sauter avec moi dans un trou? Hein? Hey, dis. Hey, tu veux faire du toile élastique dans une crevasse lugubre avec les moi gens, les gens, quoi. C'est comme les gens qui offrent des... Tu sais, les box saut à l'élastique, saut à un truc...
Les smartbox comme ça, je suis bah. Non, mais vraiment, ne m'offrez jamais ça en fait. Ah, non, mais. Non, parce que j'avais pensé à ça au début. Pour son anniversaire. Et Sauf si vous me détestez profondément, ça par contre, ok, mais putain, si. Moi vraiment, si on m'offre un jour ça, je suis d'accord, donc tu veux que je meure en fait. C'est quoi? T'es en train de me dire. Jette-toi du haut d'une falaise, c'est ça que tu veux? Tu sais, un truc comme ça et. C'est un cours de cuisine. Putain. Bon, après, cours de cuisine, why not, hein. Ça existait, cuisine à thème, bon, ça me choque pas. Ouais, moins. Mais je trouve que ça peut vite fait être selon l'intention qui est donnée par la personne. Ah, il y a le corps du gnome qui est là, attends. Ah bah oui, j'ai récupéré la... Il a pas volé si loin que ça, hein. Non, je suis un peu déçu. Ça vole moins bien, c'est l'aérodynamisme des gnomes. Ça vole pas tant que ça, les gnomes. Des gnomes, c'est... Après, vu que c'est léger, ça a moins d'inertie. Et avec le vent, là... Est-ce que t'as mouillé ton doigt avant de le balancer pour voir dans quel sens c'était le vent? Pas que mon doigt. Ok, la Hetzel. Alors, ajouter à l'avance. Du coup, t'as TP. J'ai TP, je suis juste à l'extérieur, t'inquiète. Je me demandais ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on fait le four... Moi, fouiller la cave, j'en ai marre de fouiller des caves en fait. Là, j'ai envie de continuer un peu l'histoire principale, je vais pas te mentir. Là, j'ai envie d'aller dans le camp des gobelins et tout. J'ai envie de trouver Alcine. Ou alors, on va dans la forêt du sud. Tu préfères quoi? Soit on va voir Ethel dans sa maison. XP, on est encore loin là. Parce que. En facile, il y a le repos de Hawking. Oui. On est niveau 4. Gobelin, il y a beaucoup de monde. Après, on va être potes. Mais on va être potes, on va pas les taper, non, techniquement. Donc, du coup, on peut y aller. Ou alors, on va voir Tati Etel. Mais Tati Etel, pareil, on va pas la taper. Moi, c'est ma pote, hein. C'est ma pote, hein. On va tellement être potes. Vas-y, viens, on descend dans le sud. On va voir Tati. J'ai envie d'aller voir Tati Etel, moi. Je l'aime bien, Tati Etel. On aura tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ok, elle l'a pas eu, mais est-ce que c'est pas mieux? On aura tout. Tout Tati. Non. J'ai pas la. J'ai Tati Tatou. Ah putain, chez Tati Tatou. Alors oui, parce que Tati est un magasin, c'est vrai. Je sais pas si existe toujours Tati. Je vais cramer un deuxième repos court parce qu'en fait on est un peu. Et je vais save avant qu'on commence à faire des dingueries. Let's go. Dans le sud. Donc ouais, les gobelins c'est nos potos en fait, donc c'est trop bien. Bah oui. C'est trop nos amis les gobelins. On a mis avec tout le monde. Hein. Bah ouais, sauf les gens qu'on aime. Sauf Demir et Jol là, parce que Demir et Jol, bah. Mais attends, en fait, ils m'ont mal parlé en fait. T'as vu comment ils m'ont genre parlé? Non mais attends, une personne âgée. De toute façon, il y a plus de respect. Il y a plus de respect des anciens en fait. Ah bah ça ouais. Hein. Attends, Alios me dit le magasin Tati de Barbès, dernier encore ouvert, ferme définitivement ses portes en 2021. Putain, j'y suis allé souvent en plus avec ma mère, je me souviens. Putain, c'est donc, fermé. Tati a définitivement fermé. C'est très dommage. Donc, je fais des références de vieux, du coup. Ah oui, bien sûr. Ah, attends, parce que j'arrive. Moi, je passe pas par là, par contre. Je passe de l'autre côté. Ah, mais toi, t'as un truc. Bah oui, parce que j'arrive dans le truc. Bah moi, je suis un rôdeur de la nature. Donc, quelqu'un te regarde. Je fais sans assistance, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'assistance, moi. T'as fait un at. Voilà. Le mec a fait un. Moi, vous savez, je suis pas un rôdeur des marais. Je t'autorise pas à prendre de points de. Je suis pas un rôdeur des marais. Vous savez. Oh wow. Non, franchement, tout va bien. Hein. Super. Hein. Franchement, non. Tout va bien, du coup. Allez, let's go. Oh, mais quel joli marais. C'est non, charmant, mais j'aime beaucoup. C'est très charmant. Ce petit marais très sympa. Attends, là. Attends, je crois que moi aussi. Bah oui, bien sûr. You feel like you're being watched. I've been watched. Investigation. Oh, j'ai moins 1 dû à mon intelligence parce que je suis très conne. Attendez, on va faire ça. Et je vais mettre 0 bonus pour faire 20. Donc techniquement, soit je fais un crit, soit je fais 20 nats, soit ça ne passe pas. Oh putain, j'ai fait un crit, frérot. Elle a fait un 20 nats. Elle a fait un 20 nats. J'ai envie de dead. Mais j'avais moins 1 en intel. T'as fait un 20 nat? T'as fait... Y'a que le 20 nat. Mais j'ai envie de dead. Mais j'ai envie de dead. Aligo Saucisse qui a la perception d'une saucisse alors, recuite. Je m'appelle juste Aligo. Ouais mais Saucisse c'est ton nom de famille je pense. Non. Si. Le chat a décidé que c'était ça. Donc c'est comme ça. Oh mais attendez le marais mais il est pas du tout... Pour une truffade ou quoi? Genre Pour une truffade? C'est une truffade, oui. Espèce de truffade. Ah, disons, le marais, il est moins sympa du coup.
Ouh là là. Ouh là là, bah dis donc, c'est... Putain, j'ai fait 20. Oh mais non, mais j'avais pas prévu de faire 20, moi. Il y avait moi. De la truffade, d'ailleurs, vendredi, voilà. Vendredi, il y avait de la truffade, mais où ça, ouais. De quoi tu parles? Au boulot. Ah, au boulot. La cantine. En même temps, la truffade, c'est un peu la purée du coin, ouais, hein, donc... Mais ils ont... Taïrina, elle est complètement omnisciente, hein. Taïrina, je sais pas, elle a fait son meilleur score sur un truc. C'est... Ah oui, ces petits trucs, là. Bonjour. Non, je vais leur parler. Vous avez l'air charmant. Vous connaissez Blanche-Neige? Putain, ils sont... Ouais. C'est la version un peu dark de Blanche-Neige, quoi. Le mec, il est en bad. Vous êtes un mouton? Oh! Je peux inspirer profondément et beuler. Bah, vas-y, hein. Je suis druide. Est-ce qu'il y a une approuve? D'accord, ok, super. Okay. Non, mais vous inquiétez pas, on communique. Tout va bien, super. Bah, c'est super. Moi, j'aime bien ces petits moments de communication, du coup. Petit moment de. Enfin, voilà, c'est très amical. Et du coup, si je fais communication avec les animaux, est-ce que... Oh, elle a posé un Discord... Un... Ah, attendez. Elle a mis un truc sur le Discord. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? La truffade. Mais pourquoi il y a des... Pourquoi il y a un chat ? La truchade ! La truffade. Oh, la truchade ! Ah. Oh, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien. Elle est... C'est un peu curse, j'aime beaucoup. Alors, attends. Bah on visite un peu du coup, bah c'est moi, super. Je réponds. C'est très... Attends, j'ai trouvé un truc pour être pote avec Astarion. Parce qu'à chaque fois que je belle, Astarion est content. Peut-être qu'il a un petit kink, mais... Oula. Ah non, il veut plus beuler avec moi. C'est où mamie par contre? Elle est où mamie? Parce que moi je voulais voir mamie. Il veut plus beuler avec moi. King Starion, bien sûr. Évidemment. Elle est où mamie là? Mamie! Bizarre, d'ailleurs, mamie, c'est bizarre qu'elle habite là quand même. Ah, tu veux qu'on aille aux chaînes? On s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en bat les reins. Hein. Ça fait de l'XP. Sur Kaga, je m'en bats les reins. Ah non, non, c'est RP, on joue RP, gars. Ah non, 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 non. Kaga, elle est super sympa, c'est ma pote, hein, je te rappelle. Ah oui, c'est bah vrai. Oui, Kaga, elle est raciste. Elle a tué la petite fille. Bon, non, mais parce que attends, ça va. Après, la petite fille, elle lui avait dit de pas bouger. Hein. Elle avait dit de pas bouger, il y a un moment aussi. Enfin, ça va, quoi. Oh! Faut que tu passes devant avec Astarion. Par contre, quand on a ah putain, oui, alors attends, oui. Attends, t'es où? Là, il y a un truc, je suis allé là. Je suis là. Ah, attends. J'aime... Attends, parce qu'il faut quand même suivre les chemins, parce que... Moi, je suis les chemins, oui, oui. Je fais de la randonnée, moi, je suis ranger. Je suis ranger, poussez-vous. J'ai raté un truc de survie, je pense qu'il y a un coffre caché, ouais, donc je t'attends. Je t'attends, du coup. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je range. Tu mets du temps, quoi, à venir, quoi, du coup. Attendez, j'essaie de sauter, parce que... Et après, je me suis mis une écharpe dans la patte. La. Non, mais attends, Tieflin. Tieflin, j'ai des sabots, on est d'accord, vraiment... j'ai des sabots de chèvre. Je sais pas. C'est une excellente question. Pourquoi je mets des bottes alors? Ça n'a pas de je sens, j'ai des non, bottes. Non, non, Tieflin, t'as pas des bottes, des sabots de chèvre. Attends. Les Tieflin, ils ont des bottes. Simple. Hein. J'enlève mes bottes. Attends. Est-ce que je peux voir? Je peux pas voir, moi. Attends. Ah non, j'ai des pieds. Bah oui, non, t'as des je pieds. Suis pas un satyre. T'es pas non, un satyre, t'es un. T'es. Oui. Je suis en train de faire des comportements racistes. C'est ultra raciste là par contre. C'est vraiment très. T'as fait vraiment un amalgame raciste, un peu raciste du coup. Du coup, moi. Alors moi j'ai dit, je suis pas ranger des. Ici, je suis en train de me designer des stickers. Vous avez des idées de trucs à faire? Des trucs avec des loups et des alphas. Bien sûr. Et il faut une lune en plus du loup. Pour un truc bien vraiment sûr. Kitschouille. L'alpha, tu sais, les deux loups. T'as deux loups en toi, Kevin. Les deux loups. Ouais. Des trucs un peu comme ça, ouais. Des trucs un peu comme ça, je pense. Et avec une pilule rouge et une pilule bleue. Ouais, la pilule rouge, la pilule bleue, c'est une bonne idée, ça. Ça on est en train de faire un truc, dire un truc ultra chiant. T'as raté ton jet de survie. Ouais, parce que après moi, je, enfin, ouais. Du coup, j'étais pieds nus ouais, et ouais. Dans le sable. D'accord, super. Bah, j'y vais moi du coup. Hein. Allez, salut. Hein. En fait, moi, je vais aller voir mamie du coup. Je suis pas ranger des plages, ouais, des marais quoi. Moi, l'eau salée, tout ça, voilà quoi. La 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 la. Oh, ça va être incroyable. J'ai jamais vu cette session. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Bonjour. Ah, stranger. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic, and sickly sweet. Powdered iron vine. An old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me.
You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all Ger were vagrant cutthroats. Wow. Oh là là, Astérion, il est un petit peu sexy. Dis donc, il est un petit peu sexy, Astérion, là. Oh là là. Ne rien dire. Je veux rien dire, là. Je pense. And more. We steal chickens, curse your crops, seduce your daughters, the list goes on. Ok, le mec a un peu le sens de l'humour. I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Quel monde chassez-vous, au juste? Something terrifying, no doubt. Dragon? Cyclops? Kobold? Nothing so dramatic. I'm hunting for a vampire spawn. I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out. If I can afford her blood price. Ah là là, ouais. Ah ouais, bizarre, hein, bizarre. Les vampires, oulala. Les vampires, oulala. Non, nous, les vampires. It is a sacred mission from the head of my tribe. She sent me here to capture the beast and return it to her. Capture? Bizarre, les vampires, tout ça. Baldur's Gate. My people wait for me there. Under all the smiles, you can feel Astarion's tension. Ah. He's coiled like a spring. Ah, est-ce que t'es ready ou pas là? T'es ready pour le fight? Ready pour c'est parti pour le show? Moi, I was born ready. Hein. Vous posez beaucoup de questions. Poussé bruyamment et lancé à Astarion un regard d'avertissement. Oh, bah, moi je dis rien, moi. Non, moi je dis rien. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? On se demande bien. Oh! Putain de merde! Putain de merde! Putain de merde! Ah. What? Enfin, bébou! Excusez-moi, enfin, vous aviez une bonne raison. Enfin, Astarion, ça fait une bonne raison, je suppose, hein! He was spinning a tale, and you were falling for it. Vampires. En fait, c'était un ami de Tati, quoi. Missions, mais. Honestly, he would have followed us to camp and slit our throats in the night. Parce qu'en vrai, Astarion, il a pas encore fait son coming out vampire. Hein. On sait pas que c'est un vampire encore. Hein. Parce que je crois qu'on a pas vu le sanglier. Bah non, t'as pas la morsure. Ah putain. Croyez-moi, je vous ai rendu un fier service. Vous l'avez tué uniquement à cause de vos préjugés? Remarque, ça j'ai déjà fait, donc c'est pas grave. Non mais ça je comprends à la rigueur. Lequel au juste? La prochaine fois prévenez-moi avant d'assassiner quelqu'un, j'étais un peu surprise du coup. I absolutely, definitely will think about it. Bon bah super. Bah on est bon alors. We have more important business to get on with. D'accord, bah super. Ouais. Alors ça m'a surpris. J'avais jamais vu cette scène. J'avais jamais vu cette scène, c'est trop bien. Attends, on peut le loot? Ah, bah tu oui, l'as jaloux, putain, bah, bien sûr. Attends, le mec, il a rien attendu, bien sûr, évidemment. À moi, la dague n'était pas encore retirée de son œil, j'étais déjà en train de loot. Hein, bien sûr. Écoutez. Le corps n'est pas encore tiède qu'il a déjà looté, non, bien sûr, évidemment. Attendez, je vais vraiment saigner. J'ai une réputation. Attendez. Ouais, bah super, du coup. super. Ouais, parce qu'on sait pas encore que c'est un vampire. Ouais. Mais je sais pas comment. Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même censé le savoir maintenant, non? Bah, je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a pas un truc où, tu sais, quand il y a eu des signes, et ben on a été dans le déni ou on a si, fait un truc comme un ça? Si, je crois un peu. Ali Gauche à Rognard, c'est réel. Bon, bah, moi je vais aller parler à Tati et Tel du coup. C'est charmant ici. C'est charmant. C'est absolument charmant, j'aime beaucoup. Voilà. Il y a un petit pot de fleurs là, au milieu de nulle part. Ça me termine. Bon. Tati. Allô, Tati. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. It isn't my hero. You took ages. Come in. Feel free to relax yourself and have a cuppa. A cuppa. Gods, grant me patience. Eat up.
Mayrina. I won't say it again. Mais oui, enfin, Marina a mangé, là. Oula, c'est Marina. Bah, contente que vous soyez arrivé ici, saine et sauve, du coup. Thanks to you. Contrairement à vos frères. You've helped a very powerful lady. People in dire need travel from all over Faerun to see little old me. Oh là là, on va être tellement pote avec ta Tietel, ça va être incroyable. Tu vas découvrir ce que c'est d'être pote avec elle. J'ai tellement hâte. That regular swimming in your brain juice is a bit of an inconvenience, isn't it? Effectivement. Ce que vous le dites. Comment savez-vous ça? Because you stink. And I know the stench. Mais je me suis douché il y a deux semaines. I can tell you're almost done cooking. You know you could turn just like that. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Ben je sais pas. Débarrassez-moi de ce fichu parasite. My, I do like them eager, but know that I don't work for free. I expect payment up front. One of your pretty little peepers. Oh, elle veut mes yeux. Mais comment ça? Pluck it from your head. Kiss it for luck. Then. Oh, j'ai très envie d'accepter. J'ai hyper envie d'accepter. Mais vous voulez mes yeux? Mais pourquoi donc? I'm afraid that's my business, Petal. It's nothing the fair is, though. I promise. Do it. Bien sûr, pour la science. Ma vision, est-ce qu'elle va se retrouver altérée? A touch, but sure you have two eyes in your skull, don't you? Et on est sur une run pire choix. On est sur une run pire choix. Let's go les enfants, j'ai envie de vous dire. Bon bah marché conclu du coup. Glorious. Oh, ça va être un que les enfants, j'espère que vous êtes prêts. Quoi? Comment ça c'est real nails? Hein? Oula bizarre. Oula, vous avez Benzema? Mamie? Mamie? Qu'est-ce que... Much better. That human skin is. Ah bah mamie, vous êtes resplendissante. Du coup. Bah moi je vous préfère comme ça en fait. Hein. Moi j'aime bien. J'ai un petit style. Vous avez votre style à vous. Attends, par contre mec, t'as vu qu'elle a une colonne vertébrale Oui. J'avais pas remarqué. J'avais absolument pas remarqué, c'est incroyable. Ainsi les deux frères avaient bien raison, vous êtes bien une guenaude. Qu'êtes-vous par les enfers? Pas mal, c'est censé m'impressionner. Pas mal, c'est censé m'impressionner. Well, yes. I should bloody think so. Not many get to see a hag in all her glory. Consider yourself blessed. Now choose. I'm feeling blessed. Hashtag blessed. Right or left. Hashtag girl boss. Ah, attendez, là, il y a un choix important. À quel œil choisissez-vous, le droit ou le gauche? Je pense que le... Peut-être celui où il y a le piercing, donc le... Attends, c'est mon œil droit, je dirais. J'irai le droit. Hold on to your knickers. This might sting. Ça va piquer un peu? Ah bah... Ah oh, vous êtes lavé les ongles avant? Putain, elle s'est pas lavé les mains, frère, ça va être dégueu. Hein. Oh, mais c'est un an... Ah! J'ai envie de dead. Mais c'est... Mais quel enfer! Oh! Mais c'est incroyable! Pas du tout, j'ai pas du tout eu mal en fait! Vérifiez que ce train est toujours là. Oh waouh! En vrai, petit style! Unless you want tentacles for a tongue, stay absolutely still. Attends, mais elle va vraiment me l'enlever par contre? I've removed one of these buggers before, but it's a touch tricky. The parasite squirms at the hag's words. Pain builds behind your eye. You feel the creature writhe as it's dragged towards your ear. Then it bites back, burrowing even deeper into your brain. Bah alors? Bah alors est-elle, hein? You little shit! You didn't tell me it was Netherese! I'm not touching that! Wesh! Ouais,
t'as pris mon œil, Micheline, là. Dis donc, t'as pris mon œil, en fait. Filthy shadow magic brings nothing but chains and misery. How could I have missed that stink? Like blood and piss congealing on my tongue. Bah, ça doit pas te dégoûter. Bah, ouais, enfin, si tu me permettes. Enfin, voilà quoi, du coup. Alors, quelqu'un y a touché, mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'espère que... Je pensais que vous pouviez m'en débarrasser. Bless us. You're as slow as a wet week. Ah bah j'ai 8 d'intelligence, Micheline, hein, donc il y a un moment, c'est RP, quoi. You're a dead soul walking. I can't help you. Pardon? Iniculé par une gunon... Est-ce qu'il prend mon œil? What about it? I held up my end of the bargain. It's not my fault the Rickleth tainted by shadow magic. I want nothing to do with you or that scum in your brain. Pardon? Mais attendez, c'est pas du tout ce qui était convenu, je veux parler à votre manager en fait. You're bloody right it wasn't. I agreed to remove an illicit spawn. That thing is an abomination. But let it not be said that Auntie Ethel doesn't honor her debts. Here. It's on you to fix yourself. Now get out. Mais attendez, alors parce que, excusez-moi, mais... parce que... Mais attendez, moi mon œil, enfin, c'est-à-dire que... Enfin, c'est-à-dire... Bah t'as plus d'intimidation maintenant, t'es... Ah j'ai plus 1 en intimidation. Mais t'as des avantages sur les tests de perception. Ouais, bah c'était... Enfin... Vous subissez également un désavantage si vous attaquez une guenaude. Donc on peut pas l'attaquer. Ah quel dommage hein du coup. Bon bah du coup... Du coup... Bah je suis un peu déçue, je pensais vraiment qu'elle allait pouvoir nous aider bah, cette dame parce qu'elle avait l'air fort sympathique quoi. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Parce qu'il est déjà 21h, je commence à avoir un peu la dalle. On peut manger. On peut manger et regarder un film. Ah écoutez les enfants, c'était très sympa. Putain, elle m'a énuclé, quel enfer. Ah j'avais jamais vu le truc de Astarion qui tue le gars et j'avais jamais vu... D'ailleurs le gars il est un peu... il a un vampire devant lui et en fait il le voit pas quoi. Enfin je sais pas. Ouais, chasseur en mousse hein. Chasseur un peu en mousse hein si je puis me permettre, mais enfin bon. Putain j'ai plus ça en intimidation mais désavantage sur perception, ça me fait un peu chier ça. Bon après perception c'est plutôt toi, donc c'est pas très grave en fait. Je crois que j'ai pas, j'ai pas perception moi. Comme tu veux, parce que ça tu l'as jamais fait. Sinon, il y a un autre truc où elle peut nous aider. Il y a une autre façon en fait. C'est quoi? C'est en fait, au début on n'est pas trop pote avec elle et quand on descend en bas, on devient pote avec elle. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on a un bonus de caractère permanent. Genre permanent? Permanent. Genre, donc là on commence à la taper? Et après on... Et après on lui... En fait, ouais mais non mais attends, c'est de l'opti ça. Ça c'est de l'opti. Bah on fait pas d'opti à cette run. D'accord, c'est... et bah du coup on reste... On fait pas d'opti à cette run. Est-ce que tu fais ça et avec Volo tu feras le deuxième? Oh! Bah oui. En vrai je sais pas si Volo s'il te le retire du coup ce même œil, j'sais bah pas, du coup il t'enlève pas, le dû à la guenote, je suis un peu curieux. Je suis extrêmement curieuse. Garde-le et on verra ça avec Volo. Moi je dis. Mais Volo on va pas le sauver. C'est pas faux. Volo, je crois qu'on va pas le sauver, gars, en fait. On va pas le sauver. On va pas le sauver, Volo, en fait. Attends, je suis en train de regarder ce que j'ai. Ouais. Si je la vole, elle va revenir? Non, je crois pas. Je crois pas. T'as save? Je vais save. Je save tout de suite. Non, elle s'est cassée, je crois, non? Elle s'est vraiment cassée, non? Une potion de guérison importante. Bah ouais, c'est pour ça. Franchement, côtelette de veau. Attends, côtelette rôtée grillée, mais c'est pas empoisonné par contre? C'est pas empoisonné. Bizarre. Franchement, on vole, hein. Bah les couilles, hein. Non, parce qu'il y a une tonne de bouffe chez elle en fait. Ouais, il y a une tonne de bouffe, il y a plein de trucs. Mamie, elle fait des petits plats quoi, tu vois. Mamie, elle se fait plaisir, attends, il y a un moment. Il y a pas d'âge pour se faire plaisir en fait. ouais, non, il y a plein de trucs chez elle, hein. Attends, ah oui, il y a des trucs là. C'est important ça. Il y a des crânes, bizarre, mais ok. Bizarre, non, mais après chacun sa déco. On juge pas les gens qui ont des crânes chez eux. Ouais, enfin, tu sais qui d'autre avait des crânes chez lui? Nous.
c'est réel ce que tu viens de dire. On précise, ils sont pas humains, malheureusement. C'est ce que tu viens de dire. C'est interdit. Oui, c'est complètement interdit, bien sûr. C'est la seule raison pour laquelle on en a pas. Hein. Tarte à la mélasse, vas-y, je prends un balai couillant. Il y a un petit coffre rudimentaire. Il y a de l'or, je prends. Attends, cette connasse, elle m'a pas soigné et après elle m'a insulté. Ah, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. Dans... Par rapport à une série Netflix qu'on a vue il y a pas longtemps. Tu veux dire par rapport à la série Netflix sur le procès Outreau qu'on a vu où le père il collectionnait les crânes d'humains vraiment d'humains. Ouais, 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 ça, ouais, ouais, genre ouais. Des crânes humains, ouais. Ouais, ouais, non, c'était, ouais, c'est terrifiant. Ixi, t'en as ramené de T'as tes... déjà ramené ouais, des crânes humains de tes. C'est bon, même pas, je vous récupère. Putain. Pourquoi tu veux pas? Ok, la meuf elle est pas drôle en fait. Pas la drôle. Meuf elle est pas marrante en fait. D'accord, mais super. Ah là là. Non, non, bah écoute, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fondoir, je m'en fous. La cheminée. Non, mais oui, il y a zéro intérêt à faire ça, on est d'accord. Juste si t'es un peu bizarre quoi, enfin tu vois. Bon. Un peu chelou. Non, non, bah écoute, voilà, bah est-elle désagréable la meuf quoi. Un peu désagréable. Genre. Moi, je trouve qu'elle a pas bien tenu sa promesse, quoi. Bah, c'est-à-dire que ouais, hein, du coup. Elle a dit, ouais, je vais vous le retirer, t'inquiète, j'ai fait ça 1000 fois. Non, non, mais moi, je suis un peu déçue, quoi, du coup. Nul. Nul. Bah, écoute, je te propose de save ici, et la prochaine fois, on ira vers le camp gobelin, en vrai. Ouais. Et puis après, on ira vers le truc de walk-in et tout ça, et voilà, quoi, finalement. Et on est... Voilà, on est pas mal. Écoutez, dans cette run, on a vraiment tué Carlash, tué Gale, on va pas tuer Tati et Tel, Astarion a tué un... On sait toujours pas que c'est un vampire. Tout va bien. Tout va dans le, pour le meilleur des mondes, dans le meilleur des univers. Yes. Vous avez... Attends, je vais faire un petit RP avec Astarion, bien sûr. Astarion Bibou. Vous n'avez pas vraiment perdu de temps pour tuer ces sœurs de monstres. I know. Wasn't it impressive? J'avoue, c'est très impressionnant, j'étais un peu turn on. J'aurais été plus rapide. Après, j'aimerais savoir pourquoi. En fait, j'aimerais bien qu'ils me disent qu'il est un vampire pour qu'il commence à me sucer le sang, quoi. J'aimerais qu'il commence à me sucer, quoi, du coup. Let me worry about the why. The girl are duplicitous reprobates. Gods know what he was really after. He won't bother us anymore. Now I've made sure of it. D'accord. D'accord, ok. J'ai vraiment envie qu'ils me le disent. Je vais passer au camp un peu, attends. Je vais aller au camp. J'ai envie de lui parler un petit peu, tu vois. Astarion, j'ai envie de comprendre vos... J'ai envie de vous comprendre. Need something? Oui, vous? Hein? Allô? Allô, bizarre. Bon bah non, hein, du coup... Super déçu. Bah non, je suis très déçu en fait, pourquoi j'ai... Attends, j'ai un peu envie de... J'ai quand même un petit peu envie de... Attends, je vais faire un truc. Parce que j'ai un peu envie de déclencher ça avec Astarion quand même. Parce que j'ai envie d'avoir une romance avec Astarion. Donc ça m'énerve. Voilà. Oui, Astarion, c'est une tête à claque. Hein. Moi, vraiment, les gens qui veulent romancer Astarion, enfin bon. On en a déjà parlé, hein, bien sûr. Mais le sanglier, on l'a déjà vu, non? Je sais plus. Je sais plus. Mais est-ce que, attends, on le... Peut-être t'as pas fait de G dessus, où il était pas là? Je sais pas, là, je suis en train de me diriger vers le sanglier. Si. Ah oui, oui. Ouais, bah si, on a déjà fait un G, du coup. Bah, c'est que la nuit, il a pas... Oui, dis-moi. Parce qu'il n'y a pas une nuit où il doit essayer? Bah si, en fait, c'est ça que je comprends mais pas. Mais est-ce que ça marche pas parce que t'as Dark Urge? Et du coup, tu sais, il s'est passé autre chose. Oh, merci pour le raid, Pixmar. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue aux gens. Bonjour, attends, on va faire un shoot-out, Pixmar. Comment on fait ça? Attendez, attendez, hop. Shoot-out Pixmar.
Voilà, incroyable. Bah écoute, ça va super. Bah là on était sur une petite run, on est sur une petite run de BG3, bienvenue, on joue à Baldur's Gate 3 ici. On fait une run très très méchante et vraiment on fait les pires choix. Là je viens de me faire énucléer par une guenaude, voilà, pour pas grand chose. Ce qui fait que j'ai un petit bonus de style, mais j'ai un malus avec la perception, donc c'est pas ouf. On a tué, donc pour ceux qui sachent bien sûr, car le français c'est important. Pour ceux qui savent, on a tué Carlache, on a tué Gale, et on est poteau avec tous les personnes les plus toxiques, bien sûr, du jeu. Et j'essaye de pécho Astarion parce que finalement c'est une run toxique, tout simplement. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ouais, est-ce que tu crois qu'il veut pas me sucer le sang? Parce que je suis en run Dark Urge. Puisqu'on est en run Dark Urge, effectivement. Ouais, on a tué Carlache à la Kalash, bien évidemment, pour du cash, putain. Putain de merde. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il me dise son gros secret, quoi. J'ai envie qu'il me raconte sa vie, finalement. J'ai envie qu'il me parle, quoi. Enfin, j'ai envie de connaître son passé sombre. Donc ouais, je sais pas. Il veut pas me dire que c'est un vampire et je suis un peu triste, quoi, du coup. Je suis un petit peu triste. Je suis un tout petit peu triste, mais enfin bon, écoute. Bien, bien, bien. Ouais, je sais pas ce que je suis censé faire d'autre. Parce que normalement, il essaye de te sucer le sang, normalement. Est-ce que dans les gens toxiques que tu fréquentes, il y a le mec dans le bar de Stardew Valley? Alors oui, effectivement. Je m'étais dit... Parce que vu que je fais cette run de BG3 avec des... Merde, annulé. Avec des personnes toxiques, est-ce que... Non, arrête. Est-ce que j'essaierai pas aussi de faire une run toxique avec Stardew Valley? Est-ce que j'essaierai pas de pécho Shane? Ouais, ouais, très toxique cette run. Ouais, ouais. Ouais, 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 non, non, on est sur un... C'est ma toxique era, finalement, comme Britney. Vraiment comme Britney. Voilà. Non, non, bah je sais pas, il veut pas me dire qu'il est vampire. Ça me fend mon petit cœur, finalement. Et Shoshane, tu ne regretteras pas. Putain, Alios qui vraiment me chuchote. Qui me chuchote vraiment depuis le début. Mais Shoshane, vas-y. Vas-y, va vers le toxique, là. Vas-y, n'hésite pas. J'en peux plus. Mais bon, bah je vais le faire, hein, je pense. Hein. Parce que finalement, on est là pour ses viewers, c'est important. C'est vraiment important. Non, bah on va le faire, hein. On va le faire, hein. On va le faire. Non, mais je sais pas, il veut pas me dire que c'est un vampire. Bébou Astarion, tu veux pas me parler? Yes. Alios Bilac, la larve dans ton cerveau, c'est réel. Non, non, bah je sais pas, écoute, voilà, il veut pas, quoi du coup. Il veut pas. Ah putain! Attends, est-ce que t'as récupéré la métiste? Oui. Oh! Bah attends, on va faire ça. J'ai envie de faire ça. Je l'envoie à Astarion? Ouais, t'es où là? Bah, je suis toujours chez Tati. T'es chez Tati? Viens, on va vers le... Viens au village dévasté, Bébou. On va et faire on ça. Va... Ouais, on finit par l'apothicaire. Non, 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 non. L'améthyste. Ah, mais bah, oui, c'est lui qui a la... C'est l'apothicaire. Ouais, mais on le fera la prochaine fois, parce que là, il fait un peu tard, quand même. Tu veux le faire ou pas? Allez, moi, je dis on allez, finit par on ça. Va, allez, ça, on y va. Allez, vous va, avez de la chance, fou. Vous avez du rab. J'ai pas encore trop trop faim, donc je suis pas trop désagréable, hein. Ça passe, finalement. Let's go. Mais en vrai, tu sais, parce que normalement, dans mon souvenir, il te dit quand même assez... Enfin, il essaye de te sucer le sang quand même assez tôt, non? Ouais, je crois dans les premières nuits, hein. Je suis un peu déçu. Je sais pas comment la dodge. Je sais pas, moi. La dodge, ça. Je sais pas, je suis un peu déçu, mais bon, écoute, pas grave. C'est pas grave, hein, ça va être mon bébou. Je ferai tout pour que ça soit mon bébou. Oui, au tout début, hein. Il essaye vraiment de te pécho, hein. Vraiment, il essaye de te sucer dès le début. Enfin, bien sûr, non, mais c'est pas je veux dire, ouais, vous avez compris, quoi. Putain. Je l'ai viré. Bah, quand tu es à peu près sain d'esprit et qu'il y a un vampire qui se penche vers toi, qui te dit « Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous sucer le sang pendant votre sommeil ?» Normalement, enfin, tu réponds non. Il essaye, et tu t'en rends compte et dit « Je peux ou pas ?» Ah, tu te laisses pas sucer le premier soir, Pixmar, du coup. Ah bah... Non, mais, enfin, voilà, on juge pas, quoi. Allez, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je m'en souviens pas, putain. Ramasser tout. Vitriol de Trismousse. Putain, j'ai ramassé des trucs aussi, attends. Ah, je peux faire une potion. Ouais, potion attends. De vitesse, c'est utile. Enfin. Parce qu'après, moi, j'ai une technique sans ça. Ah putain, c'est quoi cette emote? Johnny, oh putain, t'as une emote Johnny. Qui a une emote Johnny? Je sais pas, mais quelqu'un a une emote Johnny. Attends. Johnny là, incroyable. Oui.
Et puis c'est pas le... C'est Johnny... Putain, comment il s'appelle ? Johnny Cadillac. Johnny Cadillac, voilà, merci. C'est Johnny Cadillac. Ça a l'air d'être... C'est un sosie de Johnny, c'est ah ça Ah non, c'est pas Johnny Cadillac. C'est pas Johnny Cadillac ? Je sais pas, il ressemble à Johnny Cadillac, mais... On dirait Johnny Cadillac. Attends. C'est pas lui. D'ailleurs, j'ai une technique pour Astarion. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu... Non, bah c'est pas un vampire. T'as jeté de l'ail ? Oui. Ok, tu viens de jeter de l'ail, très bien. Par contre, mon ail il a disparu. Bah oui, tu l'as détruit. Ça a cassé mon ail. Bah il a pué l'ail pendant vraiment 2 secondes. Il a vraiment ah pué. Ouais ah, il y avait marqué ça ? Ouais, je crois qu'il a stink pendant vraiment un tour, un truc comme ça. Il pue l'ail pendant... C'est drôle. Bah voilà quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire ici déjà ? Bah bizarre, dis donc cette... Ah oui, putain, c'est vrai, attends. Ouais, désolé, on speedrun un peu parce qu'on y a beaucoup joué, mais... On est sur une run où... Ah mais t'as ouvert déjà ? Oui, j'ai ouvert. Ouais, je... Hein, voilà. On speedrun un peu, vous nous pardonnerez bien sûr. Possible. Alors attendez, je vais F5 parce que je sais qu'il se passe quelque chose, bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Alors, hop. On continue le speedrun ? Le speedrun ! Let's go, le speedrun, okay. Finalement. Voilà. Comme ça, y'a pas de combat. Ah oui, t'as... Bah, y'a pas de combat, calme-toi peut-être. Ah, si elle a pas tué ! Est-ce que mon shootout, il a marché ? Je sais pas si mon shootout, il a marché. Ça l'a pas one-shot. C'est bon, j'ai vérifié. Excusez-moi, j'arrive. Parce que, bon, bref, je suis une vieille personne. Alors, je t'en prie, écoute, c'est gentil. Alors attends. Bah, il est à terre sous les gravats là. Oui, bon, on va pas se faire chier à se cacher du coup. Il a pris une petite stalactite sur la gueule, mais. Je peux pas aller au cac tout de suite, hein, du coup. Oh, bon, si je peux me cacher. Avec avantage, bien sûr. Voilà. Voilà, je suis invisible, je suis Dark Sasuke tout simplement. Attends. Hop, je suis invisible. Hop, je suis invisible. Voilà. Ah putain, je suis plus invisible, dommage. Ah, je peux pas me cacher, dommage. Bon, j'ai avantage quand même. Hop, c'est moi qui l'ai tué parce que je suis invisible. Ma fesse la pète, quoi. Ouais, grave. Tu t'en ouvres un autre ? Bah attends, Ah non, là y'a pas de salaire. Peut-être... Où est-ce qu'il y en a ? Un monticule. Est-ce qu'on a lu tous les bouquins qu'on a trouvés, par contre ? Ouais, je les lis au fur et à mesure. Ok. Ok, ok. Ah putain, il a bugué le coffre. Voilà. Lol, je suis pas assez fort. J'ai pas cassé le cercueil. Ah, pas cassé le cercueil. J'ai pas cassé le cercueil. Bah celui-là, Ah si, y'a un mec dedans. Y'a un mec dedans, effectivement. Écoutez, c'est incroyable. Comment ça, échec critique ? Échec critique ! Faudrait que je fasse un bouton et c'est échec critique. J'ai pigé les projectiles. Oui. Oh, ça KS ! Oh là là, ça KS ! T'as aimé mon KS ou pas ? J'adore mon KS. J'ai vraiment KS. Ah bah voilà, Michel. Ah, c'est à moi de... Ah bah non, mais Astarion, il est... Attends. Ah merde, il était pas en combat parce qu'il était invisible, le bébou. Ah non ! Non ! J'ai encore KS. Oh là là, mais je sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui nous arrive ? Journal ténébreux. Ok. Ok. Ok, okay. Dark Sasuke. Ténébreux comme ça. J'ai journal. Pas un journal intime. J'ai vraiment un journal ténébreux. C'est hyper important, il y a une distinction. C'est mon journal ténébreux. C'est hyper différent en fait. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport du coup. Petit Dark Sasuke là. Ah, rac le crotte. Quoi ? Je sais pas. Rac crotte ? Racle crotte. Racle... T'as un racle crotte ? Ouais. Dans ton inventaire ? Attends, c'est quoi ? Excusez-moi, quoi ? Bah, c'est une dague. Écoutez. Elle est où, il est où le rac ? Qui c'est qui l'a ramassé ? C'est toi ? Oui, c'est moi. Ah oui, racle crotte. J'ai ramassé un racle crotte. Bizarre. J'ai cru que c'était une pelle à caca comme pour les chats. Bah, c'est un peu le principe, quoi. Ah, mec. Bah plus rapide les combats comme ça. Bah oui hein. Mais non, tu l'as ouvert. Ah fallait pas. Mais non, tu les casses comme ça, y a pas un spooky truc qui sort.
Ton mate contrôle son perso plus un de... Ouais, on a chacun deux persos. En fait, on a des persos custom, donc moi j'ai mon perso custom et il a son perso custom. Et on a chacun des personnages joueurs qui sont déjà définis par le jeu. Donc comme ça, tu fais un groupe de 4, etc. Et quand t'es tout seul, tu les contrôles tous les 4. Et tu peux jouer à 2, à 3, et en fait, je montre quand même. Dans multijoueur, tu dis qui contrôle qui. Tu peux dire, voilà, tu peux dire à Michel, bah tu me saoules, tu contrôles plus personne et va te faire foutre. Ou chacun contrôle un perso et tout, et c'est pas mal. Voilà, donc tu peux jouer à 4, à 3, à 2, tout seul. Incroyable, un maximum de fun finalement. Le fun est infini. Est-ce que t'as attendu que je tire pour caisse? Bah non, c'est pas à mon tour. Ah, c'est pas à ton tour. Ah, oui. Ah, bah oui. Je suis pas comme ça, moi. Si. Michel, c'est cool, tu contrôles. Tu fais de la merde. Oh putain, mais il m'a tiré dessus, ce con. Eh oui. Mais. Reviens. Oh, j'ai fait un échec critique. J'ai raté ah moi non, aussi. C'est moi. Les moi deux, aussi. Tout le monde a fait. C'est terrible, terrible. Coup dur pour le joueur français. Bon, bah voilà. Là. Bon, bah voilà. Hop, tu parles au miroir? Je save avant, parce que je sais qu'il se passe des choses, finalement. Attends, par contre, tu parles au miroir, mais moi, je suis pas très intelligente, hein. Ah, oui, je vais laisser Astarion parler au miroir, tu sais quoi? C'est pas le problème de notre groupe. C'est un peu le problème de notre groupe, je crois. C'est qu'on a un maximum de flow, mais on est vraiment tous très débiles. Sauf Astarion, je crois qu'il a 13. Bon, bah, Astarion, logiquement, il... Astarion, il a un peu d'intelligence. Il a de la sagesse, étonnamment. Un peu. Et bah, let's go. Je suis Ara Feuille d'Argent. Lui dire votre nom. Non, bah, je lui dis mon nom. Astarion, ça veut dire Ara Feuille d'Argent? Non, il ment. Ouh, je te casse 1000 morceaux, non. Oui, son allié, je suis un allié de ton maître. Oui. Tiens, j'espère que ce que t'as lu, je le sais. Bah, logiquement, oui. Que pensez-vous du Zulkir? Putain, j'ai raté mon jeu d'histoire. Zastam n'est qu'une créature abjecte. Je sais pas. Ouais, bien sûr. Mais êtes-vous enfin, sage? Oh putain, il va me déglinguer. Zulkir, je le connais bien, ouais. Mais c'est un peu en difficile. Fait, t'aurais dû parler parce que j'ai pas lu le truc. Mais ça se transmet pas? Mais je crois pas, en fait. Je pense que là, on va se faire déglinguer. Oh. Ok. Je vous propose de F8. J'ai F8, voilà. Ah ouais? J'ai F8, voilà, voilà. Je vais te laisser parler, mais en fait, j'ai pas les réponses. Bah, je vous laisse, la migraine devient violente. Ok, Ixi. Prends soin de toi, bois de l'eau, repose-toi. De toute façon, là, je te dis, on fait ça, et puis après, on s'arrête. Là, on continue un peu, parce que demain, bien évidemment, c'est Pâques. Les gros œufs, tout ça, hein, les lapins, on adore. Vive Jésus. Non, je rigole. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment vu le lien entre les lapins, les œufs, Jésus. Aucune idée. Mais écoutez, il y en a. Mais non, mais attends. Quoi? Mais. Quoi? Qu'est-ce que c'est pas le retour, c'est pas les cloches de Rome. Gars, je suis même pas baptisé. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, en fait? Je ne sais pas, c'est toi qui as fait du catéchisme et qui était dans une école catho là. Mais je sais pas, moi j'écoutais pas. Écoutez le chat, n'hésitez pas si ça... quelqu'un s'y connaît en religion ici. Moi, ça m'intéressait pas. Pourquoi il y a Pâques? Qu'est-ce que représente Pâques? Aucune idée. Je crois que c'est les cloches de Rome. Cloches de Rome qui... Ouais, me demande pas. Bon. Qui annonce le retour de Jésus. On parle au miroir là, parle au miroir frérot. Et je sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans, le lapin. Normalement, t'as lu le truc. Je suis Memnontras. Pâques commémore la résurrection de Jésus. Ok, merci Alios. Mais attends, quel est le rapport? Ah bah avec voilà. Les... Mais c'est quoi le rapport avec j'ai pas totalement tort. Est-ce que les lapins, c'était pas genre... Mais attends, t'as vraiment lu les trucs? Parce que normalement, t'as un truc, hein, non? Quoi? Bon, oui, dis que t'es son allié, on va voir. Ah ouais, bah je suis son pote, moi. Zastam. T'as raté ton jeu d'histoire, frérot. Ah, c'est con. C'est le meilleur Zulkir qui ait jamais vécu. Essaye, tente, hein. Tente le. Moi, je dirais la 1 parce que j'ai fait la 2. Il dit vous êtes nos Zulkir.
Donc je sais pas. Moi je dirais là, hein, parce que j'ai essayé la 2 tout à l'heure. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Bon bah non du coup. Alors non. Non, 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 non. Attends, est-ce qu'on a pas lu le truc? T'as pas lu le truc, gars. On a pas lu le truc. T'as... Voilà. Que j'ai pas lu. C'est possible qu'on ait pas lu. Hashtag j'ai pas lu. J'ai pas lu. Normalement, il y a un bouquin où le mec raconte sa life et genre il est en mode ouais, gna gna gna, je sais pas quoi. Je suis un être très maléfique, je sais pas quoi. Je suis gros méchant. Est-ce que normalement on a ramassé un bouquin quelque part? On va voir. Hop. Est-ce que les lapins et tout, c'était pas un truc païen avant? Genre, en fait, est-ce que c'est pas... Ils ah ont si, dit... mais à la base... En fait, est-ce que c'est pas genre le printemps? C'est ça, pas que c'est païen, ils ont rajouté la naissance de Jésus, genre là, peut-être. Est-ce que c'est pas ça, finalement? Troquis de haute falaise, dessin de gobelins, ordre d'expédition... Journal de Barcus. Prospectus. Non, c'est pas ça. On a peut-être pas ramassé hein, ce qu'il faut. Hein. Antidote. Have to keep going. Attends. Je vais retourner dans son bureau à l'autre débile. Hein. Ah, t'as terminé là. Parce que t'as lu le truc du forgeron, mais ça c'est un autre. Non, rien à voir. Alors. Ah bah journal ténébreux peut-être. Ah bah peut-être le journal ténébreux effectivement. Le truc que t'as ramassé tout à l'heure et qu'on ouais. Et on a fait des blagues dessus, mais on l'a vraiment surtout pas lu en fait. Peut-être je l'ai pas lu. Peut-être on l'a pas lu, effectivement. Bon, save juste avant là que. Attends, j'arrive. Que je parle au beau miroir. Attends, là. J'arrive. Sinon, je le défonce. Non. Non, 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 vraiment le miroir il te déglingue, je crois, dans mon souvenir. Vas-y. Il a quoi? Ah oui, il faut faire plus de 22 dégâts en un coup. Non, non, puis il fait des trucs. Il fait des trucs. Ouais, je suis Lintot. Ah! Ah! Non, mais j'ai chant en fait, un peu. Oui, bah tu dis que c'était son allié, mais t'as lu le truc. Oui. Maintenant, donc vas-y. D'accord. Donc Zulkir, Mais je crois que t'as la bonne réponse seulement si t'as le livre en fait. Bah non, regarde. Tu vois? Bah dis que c'est un maître abject. Tous les Zulkir c'est des méchants. Ah, d'accord, c'est des méchants. Bon, alors. Ouais, j'avais bon en fait. Alors Balsamine, normalement tu sais, non? C'est pas les brûlures, je te le dis. Rodeur, je m'en sers pour nettoyer des plaies en pleine nature. Tu peux répondre ça en vrai, hein? Et toi, tu le sais. Ah, Balsamine pour nettoyer une plaie. Oui, tu peux. En fait, la 1 et la 4, pour moi, elles sont valides. Hein. Oh, là, je sais pas. Débarrasser du verre que j'ai dans la tête, je verrai mes ennemis souffrir. Là, je sais pas. Oh, je suis trop dark. T'es trop dark ? On est Dark Sasuke ? On est Dark Sasuke ? Comme tu veux. Pathetic. Lamentable. Oh ! Allez, on F8. Bon bah pas F8, donc pas la... Bon, non, pathétique. Bah non, du coup. Pathétique, donc. Pathétique. Médiocre. Okay, médiocre. Oui, c'est exactement ça. Putain. Elle t'a fait... Nul ! Bon bah non. Je sais plus, d'habitude, on l'a fait plein de fois ce truc. On l'a fait plein de fois. Du premier coup. Oui, non, pas du... Non, pas du premier coup, en vrai. Ah, moi, il y a plusieurs fois où j'ai l'impression qu'on l'a fait du premier coup. Non, non, je crois pas, je sais plus. En tout cas, on avait lu le bouquin à un moment, mais... Peut-être on l'avait lu. Mais à la fin, faut dire... En fait, faut... Là, on le joue trop peut-être Dark Sasuke, tu vois. C'est peut-être possible. Allez, vas-y. Je vais vite fait juste lire le bouquin. Vas-y, mais tu l'as lu, le bouquin. Oui, non, mais le lire moins. Non, mais y a pas d'infos, gars. Y a zéro info, si ? Bon, j'enlève la cinématique, on va la refaire de toute façon. Eh, bonsoir, hein, Doc Shodan, hein. Comment vas-tu, hein? Oh putain, Doc, est-ce que t'as fini... Donc t'as fini... Est-ce que t'as fini ton marathon Fast and Furious? Parce que ça, c'est très important. Parce que j'ai envie d'en parler, en fait, après. Dedans. Il faut qu'on se fasse une tier list... Faut qu'on se fasse une tier list des Fast and Furious, et faut qu'on fasse un smash and pass des personnages de Fast and Furious. Ça, c'est très important.
Attends. If you are known to my master, step forward and dig only. Oui, tu peux passer les dialogues, hein, on les a déjà eu. C'est pas très intéressant. Comme tu disais à Stam, c'est un méchant, ça va, il me reste le 9 et le 10. Alors le 9 il est vraiment nul à chier, et le 10 en fait il est c'est la première partie du 10. Donc à la rigueur t'es pas obligé. Pour moi le 9 et le 10 ils commencent un nouvel arc. Par contre, est-ce que t'as regardé le spin-off Hobbs & Shaw avec The Rock et Statham? Ça c'est très important, il faut le regarder. Pour le lore, c'est très important, et en plus il est assez jouissif. Oui. Ah bah voilà, nickel, ouais, ça save. Super, let's go. C'est... Allez, Astarion il récupère le bouquin et on se casse. Attends, il y a des trucs à faire par contre. Oui. Il y a genre des pièges dans mon souvenir. Ouais, il y a du loot. Pièges. En vrai, il y a du loot. Oh wow. Oh là là, non, je comptais faire l'impasse, on m'a dit que ça puait un peu la merde. Non mais ça pue la merde, mais c'est incroyable. Et quand on dit ça en parlant de la série, c'est super chaud, hein. Non, moi j'ai trouvé ça rigolo, hein. Mais en fait, il y a The Rock et Statham, donc en vrai... C'est peut-être... Est-ce que ça suffit pas juste? C'est peut-être mon côté fangirl qui a trouvé ça incroyable, c'est possible. C'est possible, je sais pas quoi te dire, écoute. Mais moi je te le conseille. Mais tu regardes ça, tu fais autre chose en même temps, je sais pas, tu te fais les ongles ou j'en sais rien, moi. Alors attendez. Moi, il y a des pièges, donc du coup... Hop. Merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'ajoute des bonus? Ouais, vas-y. Let's go, j'ai fait 30. Ça part en prod. Chose, c'est chelou parce que le perso est vraiment introduit à la truelle et tout, mais Statham quoi, la scène avec le bébé... la scène avec le bébé dans l'avion. Mais c'est incroyable, moi vraiment. Et ça montre que Statham, c'est un très bon acteur comique. Voilà, pour moi Statham il est sous-coté en tant qu'acteur comique. Dans Spy, il est incroyable, il est extrêmement drôle parce qu'il se fout de des propres rôles qu'il peut faire. Voilà, scène de trop potentiellement, mais c'est très bon. Non, pas de trop. Mais en fait, si tu commences dans cette rhétorique, Fast and Furious, c'est composé que de scènes en trop, en fait. Quand il réfléchit. En fait, si tu trouves que la scène avec le bébé, elle est en trop, tout le 8, il est en trop. Le 7 est en trop. Tout est en trop, en fait. C'est ça, le truc. Alors... Le sous-marin, il suffisait pas de pas aller tout droit, c'est réel. Oui, mais comme dans Prometheus. Après, comme dans Prometheus, et Prometheus, des gens sont là. Là, c'est un super film, c'est un chef-d'œuvre. Oui, bon, bah voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est pas un argument. Des trappes. Des amorces. Allez, allez. 16, ça va, ça passe. Et c'est vrai que bon, il suffisait de pas aller tout droit, c'est réel. Fast 8, Fast 8 mieux que Prometheus. Moi je suis désolée parce que moi je déteste les films comme Prometheus qui en fait se la jouent, essayent de pète plouc leur cul, alors que Prometheus, je suis désolée, il y a plein d'incohérences, c'est pas terrible, c'est pas très bien joué, et juste c'est pas un très bon film en fait. Donc moi je préfère les films qui au moins annoncent la couleur. Moi j'aime bien les films qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui ne mentent pas sur ils te mentent pas sur ce que tu vas voir. Fast 8, ça te ment pas, ils ne mentent pas sur ce que tu vas voir. Tu vois exactement ce pourquoi tu étais venu, et c'est ça qui est incroyable. Il veut rien dire, le film tout à fait... On est d'accord, le film n'a aucun sens. Du début jusqu'à la fin, le film n'a aucun sens. La meuf, elle accouche d'un poulpe. Bref, ça n'a pas de sens. Bref, bon, voilà. Et Covenant, n'en parlons même pas. C'est terrible. J'ai les bracelets de défense. Ah, les bracelets de défense. Attends, c'est fait quoi déjà, les bracelets de défense? Tant que tu portes pas d'armure et que t'as pas de bouclier, t'as plus 2. Donc là, pour l'instant, Astarion. Bah oui, Astarion. Non, Astarion, il a du loot, hein. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess. Super comme bouquin. Je pense que c'est le journal intime de Brenda, 14 ans. Ouais. Qui est un peu émo. Un peu émo, ouais. J'avoue, un peu émo. Les dents, moi, c'est peut-être le truc un peu trop, personnellement. Ouais, t'as ce doute de est-ce que c'est des vrais? Ouais, est-ce que c'est fait à partir d'un crâne? Les dents, ça me répugne un peu, j'avoue. Est-ce que c'est de la vraie peau dessus? Ouais, ça, moi ça me répugne un peu les dents, j'avoue.
Rangez le livre dans votre sac. Puis c'est pas très pratique à ranger dans une bibliothèque, ça, comme livre. Non, non, pas trop, non. Est-ce que tu as la métisse, mon cher... Bah, je te l'ai envoyé à Astarion. Tu as... D'accord, alors attends. Combiné. Attendez, vous allez voir, c'est incroyable ce qui va se passer. Attends, comment on fait? Examiner, Aliko, non? Donc, comment on fait combiner? Combiner des objets? Non, je crois qu'il n'y a pas un... Attends, comment tu fais combiner? Non, non, tu peux pas combiner comme ça. Est-ce qu'il faut pas que tu l'ouvres et à un moment, eh ben, il va te proposer de la mettre? Non, je crois vraiment que tu... Ah ouais? Je crois vraiment, non, tu peux combiner des objets en fait. Non, non, je vous assure que... Hein, tu le colles à Marc Lévy dans la bibliothèque, la gueule qui te... Le Marc Lévy. Le Marc Lévy en mode... Salut. Ouais. Ouais. Bah... Moi je vais... Enfin... Moi je suis un bouquin de romance. Et toi? Enfin bon, le Marc Lévy est compliqué. Bah par contre moi j'ai doigt agile si tu veux. Une foncée etc. Je sais pas. Qui c'est qui fonce dans la vie? Par contre vraiment premier degré normalement tu peux combiner mais là je... Est-ce que c'est moi qui dois le faire? Double clic sur la métisse. Attends, objet personnalisé, examiné, lancer le sort. Là je comprends pas, c'est bizarre. Well, attends je vais save avant de faire une connerie. Avant de faire une dinguerie. Alors attends. Je crois que c'est le premier stream BG3 que je regarde, c'est quoi ces persos magnifiques? Mais le mec il découvre BG3 un an après tout le monde? Qu'est-ce qui se passe, Shodan? En plus t'aimes pas le fromage? Et tu ne connais pas BG3? Bref, donc oui, ce sont des personnages. Voilà, c'est Astarion. Ça c'est mon personnage custom. Voilà, incroyable. C'est génial BG3 en fait. Jouez à BG3. Jouez à Baldur's Gate 3, bordel de cul. C'est un jeu incroyable, voilà. Je l'ai fini, je parle de tes streams là. Ah ok, d'accord. Ah mais c'est vrai, tu joues à BG3. Bon ça va, ça va, je me suis un peu emballée, ça va. Oui, mes personnages sont incroyables, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Personnage incroyable. Donc je te présente Tahirina, qui est une drow, prêtresse de LOLS. Raciste à tendance pick me, bien évidemment. Dark Urge, et je vais faire les pires choix à chaque fois. J'ai fait les pires choix. On a tué... Alors... Shodan, faut que je te dise un truc. On a tué Karlach. Voilà. Et j'ai tué Gail également. Voilà. Voilà. Si, si, je... Voilà. Enfin bon, voilà, c'est... Bref. Alors, attends. Personnaliser? Qu'est-ce que je peux faire? Mais au camp, examiner? Attends, je peux pas combiner des trucs, je comprends pas. Mais pourquoi? Bah parce qu'elle m'a mal parlé. Non mais parce qu'en fait, c'est des paladins de tir. Ok. Le RP de cette run, c'est que mon perso est très con et très raciste. Et dès qu'il y a un homme qui lui dit de faire un truc, elle va le faire. Ok. Parce que c'est une pick me. Ok. Donc, quand il y a paladin de tir qui lui a dit « Cette diablesse, elle est méchante. » Elle a fait « Ouais !» Et bah, je vais la tuer. Et elle l'a tuée. Et d'ailleurs, il y a une superbe scène dans la VOD, si tu veux regarder, où vraiment, je lui coupe la tête et je la brandis. C'est incroyable. Ça va vraiment être ça va être l'image de ma VOD, je pense. Alors, par contre, je ne peux pas combiner. Attends, je comprends pas par contre, vraiment. Parce que normalement, tu peux combiner les objets, hein. Abuse, je comprends pas. Premier degré, mais par contre. Moi, je te dis, lis-le. Je lis d'abord? D'accord. Ouais. Bon, bah, je lis alors. Let's go. With no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. D'accord. You feel the darkness radiating from the book. It's delicious. Trop dark. On est trop dark en fait. Hashtag trop dark. Place. Ah bah oui, non mais. Ah d'accord. Bah voilà. Oui bah ça va, c'est bon en fait. C'est bon en fait, hein. Oh wow. Entre les dents. Moi vraiment, les dents, c'est l'élément qui me répugne. Le reste, ok, mais les dents, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et bah, ouvrir le livre du coup.
Oh, je vais prendre tellement cher. Je crois que je prends tellement cher. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly, you are capable of anything. Oh là là, je me sens capable de tout. Let's go Astarion. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips. Ah oui, bien sûr, vu que c'est une run pire choix, etc. Je vais romancer Astarion, bien sûr. Évidemment. Oh là là. Évidemment. Je vais tout faire pour le pécho, les enfants. Il veut pas me sucer le sang, par contre. Il veut pas me sucer, là, ça m'énerve. Quite the page turner. I'll get back to it when I have more time to focus. Ah mais tu veux pas le faire maintenant? Tu veux pas le lire maintenant? Est-ce qu'il a pas les... Non? Non mais attends, on va le lire maintenant. Non? Je vais réessayer. You feel its connection. You open the book to the first page. Ah voilà, tourner la page. J'ai de sauvegarde de sagesse. C'est le début des embrouilles les enfants, on y va. Let's go. Je save hein, bien sûr. Je lui donne un petit... Voilà. Allez, faut faire 10, ça passe. On a fait 12, ça passe. Les symboles virevolent devant vos yeux, tordants. Les quicksaves de la honte, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je ferai tout pour mon bébou Astarion. Ah, attends, j'ai pas la bonne voix, excuse-moi. Je ferai tout pour mon bébou Astarion, en fait. Tu comprends pas, il a une enfance difficile, ok? Faut pas le juger comme ça, en fait. Tournez une nouvelle page, let's go. Là, faut faire 15 ans. Oh, le 10. Ah là là, j'aurais dû save. Après, on a 4 inspi. Attends, vas-y, je re-save, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, j'en ai absolument rien à foutre. Faut me juger, hein. Ah, 23, voilà, ça fait plaisir. The world around you is gone. You can only see those glyphs. Oh, ça va être terrible. Oh wow. They pull at you, dragging you closer. Eh bah écoutez, on va resave. J'en ai rien à foutre. Enjoindre vos mains et tourner une nouvelle page. Absorber les ténèbres, les accueillir à bras ouverts et tourner la page. Jet de sauvegarde, sagesse. Bah, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'accueille les ténèbres? Putain, j'en ai aucune idée en vrai. Accueille donc les ténèbres. Non, je pense pas, il faut... Ah, accueillir les ténèbres et tourner une page. Ah, je sais pas. Bah, je vais essayer d'accueillir les ténèbres en vrai. 23, nickel. The glyphs scream, branding your mind with strange wounds. You see time rewritten, fate undone. Your future thrumming with power. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now oh là là. Inside of you, il est trop d'accord, Astarion, maintenant il connaît plein de trucs. Allez, c'est incroyable. Bah super du coup. Mais attends, donc il a un bonus ou pas? J'ai pas compris moi. Je crois que c'est à la fin. Ah, comment ça c'est à la fin? Faut terminer le livre. Mais j'ai pas... Ah, mais pour terminer le livre, on peut pas terminer le livre? Non, pas au début. Ok, d'accord. Faut aller jusqu'à l'acte 3, je crois, où tu peux le Autant terminer. Autant pour moi. Bon bah, super. Dans le... Eh bah écoute... C'est dans l'endroit où il y a des livres cachés, là. Je vais laisser Astarion on top. Eh bah écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Est-ce qu'on a tout looté, là? Est-ce qu'on a tout looté ici? Abuse. Oui. T'as tout looté pendant que... Si t'as tout pris, c'est bon. Non mais j'ai... Enfin, moi j'ai pris les trucs qui étaient... Ouais mais t'as... Elle a pas looté les cocons de toi le dernier. Ah pardon, j'ai pas... Oui, effectivement. Putain d'ailleurs, j'ai pas récupéré un autre truc. Ah non, attends. Ah bah si tu... Non, y'a rien dedans. Ah non. Non, ah, ça va. C'est pas genre... Il se tout... Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Ouais, y'a rien dedans. J'ai raté ma perception, mais est-ce que ça sert à grand chose là? Non, bah non. Pas. On s'en fout. Alors, y'a quoi par là? Écoute, on sort. Non, mais c'est bon, puis... c'est bon, on sort. Ouais, on sort. Ouais. On peut se TP directement. Hop, on se TP dehors. Village dévasté. Et bah, super, écoutez, c'était une super session. On a fait beaucoup de choses. Je pense que je vais vraiment diviser la VOD en deux parce que là, ça fait très exactement 4h43 de stream.
Écoutez, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je stream beaucoup. Voilà. Bon. Prochaine session dimanche prochain en vrai. On a rien de. Je suis en train de réfléchir. Si, à part si bon. Ah oui, alors j'ai un interclub de boxe la semaine prochaine. Donc il y a deux choix. Soit je me suis fait péter la gueule le samedi et j'ai un peu la flemme de stream le dimanche. C'est une possibilité. Mais si je me suis pas trop fait déglingue le samedi. Prochaine run BG3, dimanche prochain. Voilà. Dimanche prochain, qu'est-ce qu'on va faire? C'est important de prévoir, moi j'aime bien prévoir. Dimanche prochain, on va vraiment aller au camp gobelin en fait. On va aller pêcher au Mintara, on va... Parce que je vous rappelle que c'est une run méchant, très très méchant, pire choix d'Arcurge. Donc on va pas aider les druides en fait. J'ai tué Zevlor, déjà, on a tué Zevlor, voilà, donc voilà. Et on a tué Arabella également, voilà, pour ceux qui savent, c'est-à-dire qu'elle s'est fait mordre par un serpent. Après, c'est pas notre faute, hein, si je peux me permettre. Elle avait qu'à pas voler, cette petite conne. Ah bon, voilà, quoi, du coup, attendez, excusez-moi, j'ai pas la bonne voix. Elle avait qu'à pas voler, cette petite conne, en fait. Il y a un moment, faut assumer ses choix. Voilà. Donc voilà, la prochaine fois, les gobelins, et puis enfin Mintara. Mintara, je lui ai jamais parlé. Moi, Mintara, je ne lui ai jamais adressé la parole. Et je suis extrêmement triste. Voilà. Alors, on va revenir ici. Hop là. Écoutez, c'était très sympa.